C'est ici, au Palace Four Seasons Georges V, que va avoir lieu la grande finale de Top Chef. Louise de la brigade d'Hélène Darroze affronte Arnaud de la brigade de Glenvielle au cours d'un véritable marathon culinaire. Ils vont devoir réaliser un menu complet. Entrée, plat, dessert pour 80 bénévoles de la Croix-Rouge et leur fidèle ambassadrice Adriana Carambeau. Ce soir, nous allons savoir qui va remporter le titre prestigieux de Top Chef 2022 et jusqu'à 100 000 euros. Je suis en finale Top Chef, je suis très heureux d'être là. Être finaliste de Top Chef, ça représente beaucoup déjà de la fierté, parce que je pensais vraiment pas arriver là. Je me vois encore refouler pour la première fois la cuisine de Top Chef en me disant « Allez, c'est bon, je vais rester 2-3 semaines et puis ciao et je rentre chez moi ». J'ai eu un parcours très atypique sur le concours. Le départ en brigade solitaire, c'était pas facile, mais je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la brigade de Glenvielle. Et j'ai adoré travailler avec lui. Ça a été un accompagnateur de folie. Glenvielle a beaucoup ouvert de portes avec moi. Ça a été un déclencheur. Et ce déclencheur, il est super important. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui dire merci. C'est grâce à lui et aussi grâce à Top Chef que j'ai trouvé ma signature culinaire, clairement. J'ai compris qu'on allait en chercher des souvenirs. On peut faire rêver des gens et émouvoir des gens. C'est juste quelque chose qui vient de là, du cœur. Et de là, les souvenirs. C'est simplement ça. Je suis venu à Top Chef pour pouvoir me dire que je suis à ma place en fait dans le métier que j'exerce depuis quelques années. Et aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai trouvé ma place. Et c'est pour ça que j'ai une envie, clairement, c'est de gagner. Et en plus, je suis le premier Belge à être en finale, donc comme gagnant de Top Chef. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Salut chef. Hop. Ça va ou quoi? Et vous? T'as la forme? Toujours. T'es chaud? Chaud patate. Bon, on est en finale, mec. Hein. Moi, c'est ma première année en finale. Toi, t'étais au début dans l'équipe des solitaires. Solitaires. Et finale, pas mal quand même, l'histoire est belle quand même, non? Très très bon. Si on peut la gagner, je te cache pas que ça ferait plaisir. Peut-être ça. Ce serait sympa. Allez. Bam! Allez, allez, lâche tout. Hein. Allez, vas-y. Ah ah voilà. Ça y est, c'est la finale. C'est difficile de concevoir, mais c'est en train de se passer. Hein. Top Chef, c'est une expérience absolument unique, je pense. Je me rappellerai de tout, toute ma vie, et je ne l'oublierai jamais. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal en fait à avoir confiance en moi et à m'affirmer. Mais au fur et à mesure, la compétition, j'ai pris confiance en fait en ma créativité, en ma capacité. Top Chef, ça m'a ouvert les yeux. J'ai pas mal évolué, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à suivre mon intuition. Bon, j'ai fait une cuisine hyper instinctive, ça a marché. Et ça m'a donné beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, je pense que j'ai ma place en finale. Il va falloir que là, j'envisage sérieusement que je peux gagner Top Chef, quoi. Il est temps. Remporter Top Chef, c'est une victoire qui nous ferait du bien à nous toutes, hein, parce que ça fait longtemps qu'une femme n'a pas gagné Top Chef. Ça permettra de montrer aussi que c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas réussir en cuisine. On a tout autant notre place. Et il est temps de se mettre sur le devant de la scène. Là, il faut y aller. S'il y a bien un jour où je dois être au top, c'est aujourd'hui, quoi. Comment ça va? Bonjour, chef. T'as l'air un peu stressée, non? Je suis complètement... Ah non, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Eh bien si, t'es en finale. Oui, je pense que c'est la grandeur du lieu, ça me... Il n'y a pas de raison, C'est un lieu qui m'a toujours porté bonheur. Oui, bah oui, c'est vrai, Donc, moi, je dis toujours jamais 203. Donc, voilà, celle-là. Si je suis là, c'est aussi grâce à chef Hélène Darroze. C'est elle qui me poussait juste à croire en moi, en fait. Et elle m'a jamais lâché. Et bien sûr, j'ai envie de lui apporter la victoire, parce que jamais 203, et je pense que c'est un dicton qui se trompe pas souvent non plus. Vous êtes la prochaine, du coup. Ah, un de plus, Bah oui, j'étais la seule à pas l'avoir. Je suis la 13. Ouais. D'accord. C'est toi qui l'as faite, hein? C'est moi qui l'ai faite. Ah ouais. Allez, si, mais je te promets que si jamais tu gagnes, je me fais tatouer mes trois petites étoiles là. Je te promets que c'est ta main parole. De plus en plus rock'n'roll, quand même. Mais, ma foi. Je te dis, tu m'as apporté beaucoup. Notamment le rock'n'roll. Faut que je commence à aiguiser mes aiguilles. Tatouer Hélène Darroze. Ok, on va faire le silence partout, on va y aller, merci beaucoup. La L, la G sur Stéphane, s'il vous plaît. Et on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1.
top. Soyez les bienvenus à l'hôtel Georges V, le palace le plus étoilé d'Europe. Louise, Arnaud, vous êtes les grands finalistes de la 13e saison de Top Chef. Paul Perret, Philippe Etchebest, vous serez bien sûr dans la compétition. Paul avec Glenn, Philippe avec Hélène. Paul, travaillez avec Glenn. Tant pis. Non, je suis ravi. Je suis ravi de travailler avec Glenn et je suis ravi de travailler avec Arnaud pour l'emporter, en tout cas pour les soutenir au max, c'est sûr. Pour éplucher les carottes, ouais. Ben, si tu veux, à disposition. Vous le savez maintenant, vous allez cuisiner, mais bien sûr pas tout seul. Voici donc vos partenaires, vos commis pour cette finale. J'ai le smile jusqu'ici, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Oh, ils sont beaux, ça fait trop longtemps que je les ai pas vus et c'est trop cool. Soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver pour cette grande finale. Vous allez pouvoir aider l'un des deux finalistes ici. Vous ne savez pas encore lequel. Il y a peut-être des préférences, c'est vraisemblable, mais je crois que vous êtes tous assez complices. Il y a même un point commun, c'est que vous êtes tous ou quasiment tous tatoués. Cette rumeur est arrivée jusqu'à moi. Qui a eu l'idée? C'est Louise qui a eu l'idée. Et c'est Louise qui a tatoué? Ouais. Mais non. Si, si. Qu'est-ce qui est marqué? 13. Original. Saison 13. Cette saison est gravée pour vous à jamais, Thibaut? Bah, on a bossé ensemble, on s'est tatoué ensemble, c'est un peu comme des tolards, on vit ensemble, du coup, forcément, derrière. Ça y est, ça crée des liens familiaux qui resteront très longtemps, donc ça va être cool. Saison 13. Vous ne savez pas pour qui vous allez travailler aujourd'hui. Vous allez déclencher la cloche de votre choix. Celui ou celle qui dévoilera un disque de couleur commencera le choix. Allez-y. Ah ben voilà, c'est Louise. Donc, à tour de rôle, vous allez composer votre brigade. Faire une belle finale, ça passe aussi par être confort avec les équipes et avoir une bonne symbiose avec sa brigade. Donc, il va avoir des choix très stratégiques. On commence, Louise? Mon premier choix, c'est la famille avant tout, Force Rouge, Thibaut. Bah déjà, je suis hyper content d'aller dans son équipe parce qu'on a une bonne entente, on se comprend. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte de lui montrer qu'elle a fait le bon choix et je me donnerai à fond quoi qu'il en soit. Arnaud. Lilian. Mon premier choix, c'est Lilian parce qu'il a un goût hyper complexe. Donc, je sais qu'il va pouvoir m'aider et son rôle va être vraiment de me seconder. Louise. Mon second choix, c'est par travers Mino, vers Pascal. Une finale, avoir Pascal dans ton équipe, mais c'est un atout incroyable. C'est une machine de guerre. Pour envoyer 80 couverts, c'est un Pascal qu'il faut dans son équipe, clairement. Arnaud. Michael. Michael. Michael, c'est un associé de fou, c'est un rôtisseur de dingue. Donc je sais que qualitativement, si je lui donne une tâche, il va l'exécuter comme si c'était pour lui. Louise. Mon choix, il va aller vers Élise. Élise. Élise, j'apprécie beaucoup son sens artistique pour les dressages. Parce qu'il dresse extrêmement bien. Et ça peut être un point fort. Arnaud, on continue. Sébastien. Je suis dans l'équipe de la Belgique. En plus, il y a déjà Mika à ma gauche. Big up au Nord, big up à la Belgique. Et allez, on y va. Louise. Je suis pour la parité. Et en plus, j'ai un poste qui est taillé sur mesure pour toi, donc... C'est moi, du coup? C'est toi, du coup. Pardon, ouais, excuse-moi. Ambroise va chez Louise. Ça me fait plaisir de servir pour Louise parce que ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Là, on est tous à fond, on est tous remontés, on va l'amener au bout. Quoi. On a compris, Lucie va chez Arnaud. Alors, allez, on continue, on lâche. Ça nous impressionne toujours. Ah, ça fait pas, peur. Hein. Voilà, ça nous laisse de marbre. Hélène, elle est là, elle fait pas de bruit, là, elle est là, tac, tac. Mais bon, même si Hélène est en terrain conquis, on n'est pas là pour enfiler les perles. Hein. On est là pour montrer de quoi on est capable et on a bien l'intention de ne pas se laisser faire. Hein. Cette finale, c'est de très loin l'épreuve la plus compliquée. Véritable marathon culinaire, 10 heures de cuisine et surtout un grand dîner pour 80 personnes. Et à l'arrivée, un verdict, Arnaud contre Louise, qui va remporter cette 13e finale de Top Chef. Bonne chance. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, ils sont devant, ils sont devant déjà. Allez, c'est parti. Je suis hyper excitée. Mais Arnaud, je pense qu'il a un petit avantage parce que le banquet, ça le connaît. Ok. J'ai fait plein de petites fiches. Moi, j'ai pas cette expérience. Je cuisine jamais un plat pour 80 personnes en une journée. Jamais.
Mais je sais que là, j'ai pas le choix. C'est moi la patronne aujourd'hui, quoi. C'est à moi de motiver les troupes et de les driver, qu'ils aient une vision globale et après roule ma poule. Alors vas-y, dis-nous le topo. On t'écoute, chef. Ok, la trame en fait, bah, c'est un peu mon style de cuisine. Il y a des ingrédients un peu originaux, à chaque fois un peu d'influence japonaise. Donc, entrée, on est sur un espèce de sashimi de céréales. Ponzu, truffé, huile de cèpe. Toi, je t'ai mis sur le poisson. Yeah! Je suis trop content, je vais y avoir des gros poissons à lever. Franchement, grande entrée, je suis hyper content d'être dessus. Je me dis que c'est tout à fait le genre de plat que je pourrais faire et je m'investirais vraiment à fond dedans, quoi. Ensuite, le plat, on a côte de veau, anguille fumée. Il y a du taf là-dessus, il y a du taf. Donc tous les deux, vous allez charbonner là-dessus, mais je vous fais confiance. Je pense que la vapeur, quoi. La vapeur pour nous, je pense. Voilà. Du coup, c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, on va donner à fond pour Louise et puis on va tout donner, hein. Le dessert, je te fais confiance et après tu peux jumper garniture et tout. Et il y a des trucs que je veux voir avec toi sur les garnitures. Okay. Voilà, easy peasy. C'est vrai que j'aime bien faire les desserts, mais Lani sans moi, il faut que je réussisse. J'ai le devoir de le faire pour elle. Ok, vous avez toutes les recettes. Voilà, une petite idée du dressage après. Et de temps en temps, il y a des petites postes câlins qui sont prévues. C'est vrai, c'est important. Ouais. C'est écrit. Faire parce que. Oh, c'est bien ça. Voilà, ça vient de se passer. Impeccable. Franchement, ça déboule. Ouais. Vous êtes sûr du coup? C'est bon ça. Okay. Allez, go. Allez. Ouh, je vois qu'il y a de l'ambiance ici. Je suis tellement contente d'être de retour dans ces cuisines et tellement fière de retrouver Louise, finaliste de Top Chef. Ça va les enfants? Chef. Ouais, ça va. On est heureux d'être là. On est très heureux d'être là. Ah, nous aussi. Comment tu te sens d'abord? Là, assez sereine, parce que je vois que les garçons sont à fond. Alors raconte-nous ton menu un peu. Alors, du coup, la trame, c'est un peu fusion japonaise, de l'entrée au dessert. D'accord. La ligne directrice dans mon menu, c'est que c'est moi déjà. Donc en fait, c'est une cuisine où on va venir bousculer un petit peu et titiller et faire découvrir de nouvelles choses avec des associations de saveurs pas habituelles. Donc on va peut-être déstabiliser un petit peu. On va pas être dans la petite caresse, quoi. On va être dans l'uppercut du début à la fin. Alors, chef, pour mon entrée, je vais faire une espèce de sashimi de céréales avec une sauce ponzu truffée qui sera perlée avec une huile de cèpe. Ensuite, on a une chips de riz, juste pour apporter un petit peu de croustillant, du daikon frais, de la ciboule et de la truffe râpée. D'accord. Donc, une entrée très fraîche sur la fraîcheur. Très frais. Donc, entrée froide, facile à envoyer. Très facile à envoyer. Ça, c'est important. Ouais. Et je pense ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas un poisson qui est très commun en fait. Ah oui, non, c'est clair. Je sais même pas à quoi ça ressemble pour te dire. Toi, le sérieux. Ah oui. Ça ressemble à ça un peu. Ah, mais c'est ça? Ah, là, je vous bluffe. Hein. Ah, l'autre, il y a rien là. C'est vraiment une coïncidence, c'est incroyable quoi. C'est dingue, hein. C'est un signe ça, c'est un signe du destin ça. Bon, ok, ponzu truffe, ça marche, ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Hein. La céréole, super poisson. Alors l'entrée, elle est vraiment ancrée dans ses racines avec ce poisson formidable qu'est la céréole, qui est vraiment un poisson du coup du Portugal, hein, qui a un goût très très fin, mais qui a cette mâche qui va parfaitement bien au poisson cru puisqu'elle veut le cuisiner en sashimi. Elle va faire découvrir du coup un poisson que personne ne connaît, donc c'est quand même très osé. Mais je pense que ça va être une entrée très légère, très parfumée, très fraîche. Moi, j'y crois sur l'entrée. Alors, vas-y, parle-nous du plat. Alors, le plat, on va partir sur côte de veau rôti sur l'os. On va venir intercaler en fait avec de l'anguille fumée. Ensuite, on aura une sucrine qui sera braisée et qui sera farcie avec une huître pochée au beurre aillé. On aura une petite purée de pommes de terre bien réconfortante et un jus de veau perlé avec une huile d'oseille pour apporter un petit peu d'acidité. Ah, et tu prends des risques là quand même. Le plat, je prends des risques. Le choix du veau, c'est bon. Le marier à l'anguille fumée, c'est quelque chose qui peut très bien marcher aussi. Maintenant, l'associer à de la laitue braisée dans laquelle on met de l'huître, c'est là que quand même on va aller taquiner un peu la sensibilité de tout le monde, quoi. Donc c'est culotté, mais ça peut très bien marcher. Non mais c'est bien, écoute, moi je suis curieux de goûter ton plat. Moi j'aime bien, c'est ce que j'ai envie de goûter aussi quand je vais au restaurant, d'être surpris, d'être bousculé un petit peu. Ok, ton dessert. Hein. Mon dessert, je fais un remake de mon dessert d'entrée dans le concours. Ah, c'était bien ça. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais partir sur un dessert ail noir miso. C'est assez original, hein. Moi, la glace à l'ail, elle m'intrigue. Hein, j'avais des craintes parce que glace à l'ail noir, je me disais ça va l'emporter, ça va tout déséquilibrer. Ben non, pas du tout, quoi. Trop bien. C'est bon, c'est gourmand, c'est goûteux, très onctueux, très harmonieux. On est vraiment dans le dessert, il n'y a pas de doute. C'est très réussi. Oh, c'est cool, hein. C'est fou. Donc pour mon dessert, je vais présenter en fait une glace à l'ail noir et au miso. Ensuite, je vais faire une mousse légère au siphon, chocolat caramel infusé à la mousse végétale. Ensuite, on a un sponge cake à la pistache qui aura un visuel en fait de mousse végétale.
et un crumble sarrasin et une tuile au sarrasin. D'accord. Donc mousse végétale, c'est de la mousse qu'on trouve sur les troncs d'arbres là, c'est ça, ça. C'est ça. Donc là aussi c'est pareil quoi, hein. Tu vas m'équilibrer ça. Oui. Le but c'est quand même que tout soit vraiment très très bon. Je fais pas de la cuisine originale pour faire de la cuisine originale. Oui, 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 bien sûr. Bah, c'est ce que tu as fait pendant le concours, hein, voilà, de toute façon. Hein. Bah une fois de plus, hein, un gros risque parce que faire infuser de la mousse végétale, c'est pas banal quoi. Hein. C'est quand même très risqué, très osé. Mais c'est du Louise une fois de plus et moi je vais lui faire confiance. Bon, en tout cas, c'est un menu qui a du caractère. Ouais, il y a de la personnalité. Qui a l'image de Louise. Elle a pris des risques et c'est très bien. Maintenant, il faut que tout soit dans l'équilibre. Mais ça peut très bien passer. Si c'est équilibré, voilà. Voilà. Le menu est joli, c'est moderne. Il y a des associations intéressantes. Pour moi, c'est un menu gagnant. Sur le papier, ça marche. Sur le papier, ça marche. Et sur le papier, on a hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de goûter son menu. Allez, courage, mademoiselles et messieurs. On compte sur vous. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chef. Je suis prête. Sur mon menu, je suis prête. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. Il n'y a pas de souci. Ce menu, il pourrait me permettre de gagner parce qu'il y a à la fois de l'audace, de l'originalité, de la personnalité. Mais ça reste un menu qui est avant tout délicieux. Bon les gars, chaud hein. Allez. 10h, on balance tout. Ça fait un peu de cuisine, hein. Ça fait un peu de cuisine, ouais. On commence l'épreuve. Moi, c'est pas une épreuve que j'appréhende vraiment très très fort parce que c'est quelque chose que je fais dans mon métier assez couramment. Donc envoyer 80 couverts, c'est un petit banquet, je vais dire. Et je vais vraiment manager ma brigade aujourd'hui, comme je le fais avec mes brigades à moi. On va rigoler, mais il va falloir clairement que ça file droit. Bon les gars, 10 heures de cuisine, là. J'ai fait les petites choses très très bien pour vous. Normalement, je vous ai vraiment mis chaque étape dans l'ordre que ça doit être fait. Aujourd'hui, on fait une cuisine de sentiments, d'émotions, en restant un peu créatif quand même. Et dans la bonne humeur, évidemment, s'il vous plaît, jeunes gens. Alors, descriptif du menu, Belgique à fond, avec la moule frite en entrée. C'est un plat hyper emblématique en Belgique. Forcément, j'étais obligé de le mettre. Donc, Lucie, sur l'entrée. Très bien. Après... Le plat, c'est un waterzooi de volaille. On va faire la volaille basse température avec une petite compressée de légumes et de farce fine de volaille. Le plat, j'ai pensé à toi, Mickaël. Oui, monsieur. Il y a de la sauce, il y a de la viande. Bah, son menu, il me plaît beaucoup. Hein. C'est des produits de chez moi. Le waterzooi, c'est un plat typique qu'on fait beaucoup chez nous. Donc, ça fait plaisir. Mais en même temps, j'ai pas intérêt de foirer, quoi. Et pour notre ami Sébastien qui est la pâtisserie, qui n'est pas pâtissier mais qui va le devenir aujourd'hui spécialement pour cette finale, des pommes confites avec le spéculoos. Okay, voilà, voilà. Ça roule. Là aujourd'hui tu es sur le dessert et je suis content parce que c'est des choses quand même assez carrées avec des recettes très précises. Et aujourd'hui je fais partie d'une équipe et je vais tout donner pour Arnaud. Lilian m'assiste, il vous assiste et moi je vous assiste et vous m'assistez et on remporte cette finale. Je vais me faire aider de Lilian qui sera... mon second. Il va m'accompagner dans ma surveillance et dans la maîtrise de ce qui doit être sorti. On est au Georges V, Palace. Il faut vraiment que ce soit hyper maîtrisé au niveau des dressages. Hyper laser. Ça. Les gars, on a maman qui est là. Donc, elle nous surveille et vous avez intérêt vraiment à bosser comme des dingues. Ma maman, j'ai envie qu'elle soit là, j'ai envie de leur présenter entre guillemets à ma brigade parce que j'ai envie de montrer de qui je viens. On va retrouver un petit peu de ma maman dans le menu parce que ça va raconter ma jeunesse et je veux justement aller chercher des souvenirs. Ok, voilà, voilà. Et surtout, on lâche rien. Le but, c'est de gagner, les gars. On n'est pas là pour la finale. Go. Ça y est, j'y suis arrivé à cette grande finale. J'ai bien l'intention d'en sortir vainqueur et ce, grâce à Arnaud et son menu. Qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour, chef. Ça va? Et vous, chef? Chef, bonjour. Bonjour, enchanté, Arnaud Delven. Comment ça va, les gars? Bonjour, chef. Tu vas bien? Arnaud Delven. Alors? C'est un petit peu la couille. Il faut que tout le monde comprenne ce que j'ai voulu mettre en pratique aujourd'hui. Si moi, je comprends, tout le monde comprend. Alors, vous, chef, je suis pas certain que vous puissiez faire ça. Arnaud, fais attention. Alors, je voulais pas travailler des produits de luxe. Parce que je me suis dit qu'il fallait envoyer plus du populaire, que les gens puissent s'identifier avec des produits simples, qu'on puisse mettre en valeur, ça va faire de l'émotion. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pris le parti de faire un menu 100% belge. Donc, en entrée, on part dans l'esprit d'une moule frite. On va faire les moules simplement ouvertes qu'on va décortiquer. On va récupérer le jus, faire la sauce, une marinière herbacée. Et alors, on va faire des pommes de terre en chips qu'on aura fait tremper dans du vinaigre avec des pommes de terre fumées. Et alors, on va faire un voile de peau de pommes de terre, quelque chose de très fin, en porte-piécé, qu'on viendra remettre au-dessus des moules et des pommes de terre, dans l'assiette. Tu as quand même une petite partie vraiment chips. C'est ça. D'accord. Vraiment pour avoir la moule frite. Ok, bien vu.
Bam, ça fait mouche tout de suite. Revisiter les moules frites en entrée, c'est vraiment malin de la part d'Arnaud. Au-delà d'être un plat belge, c'est l'un des plats préférés des Français. On est dans des goûts rassurants et réconfortants. Et en même temps, Arnaud va apporter de la modernité en travaillant la pomme de terre en trois façons. Il commence fort. Et alors le plat, on part sur un waterzooi de volaille, mais façon palace. Donc le waterzooi, c'est un peu votre blanquette en fait. Ouais, c'est ça. Ou comme une poule au pot. Waterzooi, c'est un plat emblématique en Belgique. Donc il y a une sauce veloutée, il y a de la volaille, il y a des légumes à l'intérieur. Pour le coup, c'est très gourmand. Et avec ce plat, j'ai juste envie de prouver aux gens qu'on peut faire plaisir avec quelque chose de très simple. Donc on va cuire les volailles qu'on aura fait mariner dans du lait ribot, galanga, citronnelle. Donc ça avec une sauce veloutée qu'on va faire avec du vin d'arbois, qu'on va alléger avec de la crème fouettée. Et alors on fait un petit compressé de légumes, donc c'est carottes. On met un peu de décombre pour l'acidité et on met des céleri rin. Moi je veux vraiment donner ce côté très, très gourmand et très émotion. En tout cas ça a l'air bon. Ça te plaît ? Oui, oui. Ça te plaît à toi ? Avec ce waterzooi, Arnaud poursuit sa lancée avec un plat gourmand qui va plaire au plus grand nombre. La volaille, c'est une viande que tout le monde aime. Et comme elle a un goût assez neutre, Arnaud va pouvoir la sublimer avec une marinade au lait ribot et sa sauce. Bien joué. Et alors le dessert, je me suis dit, je vais aller chercher des produits que je connais. Alors c'est pomme spéculoos. La pomme, c'est le premier fruit qu'on mange quand on est gosse. Et je mets du spéculoos, parce que le spéculoos, ça vient de Belgique. Petite glace au spéculoos, un petit biscuit sablé au spéculoos. Ouais. Un gel de vinaigre de cidre. Un gel de Granny Smith, ouais. Et avec une pomme confite simplement. Quelque chose d'assez... une espèce de tatin spéculoos à la belge. Ouais. C'est plutôt pas mal. Le dessert, ça peut être très gourmand. Hein. Un petit sablé, une pomme confite et une belle glace, ça peut trouver preneur. Avec la pomme et le spéculoos, Arnaud part sur des valeurs sûres, gourmandes, histoire de bien finir le repas. Ça sent bon cette finale. On est sur quelque chose de très populaire, classique, ce qu'on attend, c'est de la profondeur des goûts et des choses qui soient très bien faites. Il faut aller chercher de l'émotion, donc t'as intérêt à envoyer, du gros, d'assaisonnement parfait, avec du croustillant, du relief. Ça. Le menu d'Arnaud, il y a une prise de risque, parce que quelque part, il nous propose quelque chose qui est intéressant, en tout cas dans lequel il veut exprimer sa Belgique natale. Donc il s'est basé sur des plats populaires qui sont revisités. Maintenant, pour avoir une belle surprise avec un menu comme ça, il faut une exécution parfaite et des goûts profonds. Mmh. C'est le seul moyen, avec un menu aussi classique, de passer ce soir. Allez, non, au milieu, là. Allez, ici, là. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai clairement envie de mettre la Belgique au centre de mon menu. J'espère qu'il me permettra d'être le grand gagnant à Top Chef 2022 par l'émotion et par la gourmandise que je vais donner. Bon, trêve de plaisanterie. Comment ça va le moral, messieurs? Nous, on est comme ça, comme les 5 doigts de la main. Pareil, pareil. Voilà. C'est pas la bonne. Pardon. On est chaud? Chef! Ouais! Allez, on est chaud, les gars. Allez. Moi, j'aimerais bien gagner Top Chef parce qu'il n'y a pas de meuf qui a gagné depuis beaucoup trop longtemps. Les modèles femmes chef, j'en ai eu trois dans Top Chef. Hélène Darroze, évidemment, parce qu'elle a cru en moi dès le début. Joanne Sophie Pic et Dominique Rennes. Et ça a été des sacrées rencontres. Même pour la finale, elle compte sur moi. Louise, nous deux, on t'encourage pour aller tout au bout. Allez, Louise, entre en toi. Là, elle représente les femmes. Bats-toi pour nous. You're gonna go and kick ass, OK? Je vais tout faire pour aller décrocher cette victoire, pour toutes les femmes chefs, actuelles ou en devenir, et pour toutes les femmes de manière générale. Elles sont magnifiques, les céréoles. Ah ouais, c'est sa chimie de céréoles. C'est beau, ça. Alors, la céréole, en fait, c'est un poisson blanc, très gras, et qui est vraiment... mais fantastique, qui est délicieux. Et cru, pour moi, c'est le meilleur truc du monde. Ah, vrai que la quantité qu'on a, je sais pas quelle partie tu voulais vraiment utiliser. Des morceaux du dos et des morceaux du ventre. OK. Alors, je mets Ambroise, en fait, sur l'entrée, sur le sashimi de céréole. Et c'est un poste qui est sur mesure pour lui. Et la céréole, c'est ça, c'est un beau poisson qui se rapproche un peu de l'espadon, un petit peu du thon aussi, parfois. C'est un super poisson, c'est top du top, ça. C'est ce que j'ai dit à Louis, je pense que si, il y a 2 ans, je me suis fait tatouer une céréole sur le bras, c'est peut-être que je savais déjà que t'allais aller en finale et que t'allais faire ça, donc ouais, nos destins étaient déjà liés, je pense. Ah bah là maintenant, c'est mort, hein. Je peux plus louper mon entrée, il faut que ce soit laser. Franchement, l'enjeu pour Louise, il est énorme. C'est quand même la finale de Top Chef. C'est un truc de fou, quoi. Donc j'ai envie qu'elle gagne la finale, quoi. Je suis d'accord avec Ambroise. Moi aussi, j'ai envie que Louise gagne cette finale.
Mais d'abord, voyons voir comment elle va sublimer cette céréole. Alors, l'entrée, t'en es où, en fait? Dis-nous. Donc, en entrée, on va avoir un espèce de sashimi de céréole. On va juste le saumurer, on va le mariner avec du kombu pour développer un peu plus de saveur iodée. Et ensuite, on va juste venir le brûler un peu au chalumeau. On a un ponzu, c'est à base de sauce soja, mirin, du vinaigre de riz et zeste de citron vert, jus de citron vert. Qui va venir être perlé avec une huile de cèpe. Ensuite, on a une chips de riz, juste pour apporter un petit peu de croustillant. Du daikon frais, de la ciboule et de la truffe râpée. C'est simple, ça va être simple à envoyer, ça va être simple à préparer aussi. Bon, après, il faut aimer le poisson cru, mais je pense que dorénavant, tout le monde aime bien les sushis, donc ça devrait passer. Tu dis que tout le monde aujourd'hui mange des sashimi, des sushis, etc. Ça reste du poisson cru. La céréole, c'est vraiment un poisson qui se prête à être mangé cru, mais c'est sûr que tout le monde n'aime pas le poisson cru et que ça peut faire peur. Mais c'est ça que j'aime chez Louise. Elle n'a pas peur de prendre des risques. Maintenant, elle va faire mariner la céréole et la brûler au chalumeau, ce qui devrait raffermir sa chair et donc changer la texture et le goût, ce qui peut être plus agréable en bouche pour les personnes qui ne sont pas fans de poisson cru. Et puis sa sauce ponzu, qui est une sauce japonaise à base d'agrumes, et la truffe vont très bien se marier avec la céréole. C'est du Louise tout craché. Ça me plaît, moi j'aime beaucoup les goûts qu'elle veut mettre dans chaque plat. Le ponzu, la céréole, c'est très simple, mais c'est délicieux quoi, avec la truffe. C'est des trucs qui envoient quoi. Je suis pas dans la subtilité quoi, c'est du goût, c'est... C'est du goût, mais c'est toujours harmonieux quoi. Hein. Donc tout est dans l'équilibre des saveurs. Ouais, fais attention à ça, hein. Fais gaffe à ça quand même. Non mais c'est bien. La chef Hélène Darroze, elle me connaît depuis le temps. Et à chaque fois en fait je l'étonne et elle me fait confiance. En fait, je suis rassurée parce que Ambroise, il tabasse, franchement. Il est hyper autonome, mais c'est un excellent cuisinier. Donc là, j'ai levé tous les filets. D'un côté, j'ai le dos, plutôt ferme, un peu plus sec. Et d'un autre côté, j'ai le ventre, beaucoup plus tendre, beaucoup plus gras. Donc là, ça, c'est ce qui nous intéresse. Ces filets, je vais les mettre dans une saumure, c'est-à-dire un mélange d'eau et de sel, pour que vraiment, ils se raffermissent et que ça s'assaisonne aussi. Et là, je mets entre deux feuilles d'algues combo royal. Les algues, ils vont apporter, voilà, ce... Le petit côté herbacé, maritime, qui est sympa, quoi. Je te montre comment on coupe. Comme ça, c'est un bon morceau. C'est très beau. C'est très beau. OK. Parce que là, on n'est pas trop mal. Oh, magnifique. Ah putain, la chair, elle est magnifique. En fait, le ventre, tu le tailles droit, quoi. Ouais, il faut tailler droit, ouais. Du coup, là, ma céréole, elle est au frais, taillée. Donc après, je me lance sur ma sauce ponzu. Vinaigre de riz, 700 centilitres. Ah, ça, c'est une base japonaise assez connue, qui est super, qui marche vraiment bien. On peut s'en servir comme condiment. Là, en l'occurrence, dans la recette, ça va venir vraiment assaisonner notre poisson. Pour réaliser la sauce ponzu, il y a du vinaigre de riz. Je mets du jus et zeste de citron vert pour le côté très acidulé. Un petit peu de sauce soja, un bouillon d'hachis. Voilà, c'est très simple. C'est des algues, de l'eau, entre le sucré, le salé, l'acide, en fait. Moi, j'ai 26 citrons à faire. C'est pas la mer à boire, mais bon. Quand même. Et donc cette sauce, ce sera vraiment le liant du plat, ce sera la base de l'assiette. Ça c'est le ponzu. T'as rajouté du jus de citron ou pas? Un tout petit peu. Ça c'est très acide, hein. On est très dans l'acidité là. Bon, bah, attention, le sel et l'acide, on y est là. Hein. Ouais, si c'est ça toi tu veux, c'est bah, ok. De toute façon c'est le seul assaisonnement en fait. Ouais. Après il faut goûter tout ensemble en vrai. Voilà c'est ça, il faut goûter tout ensemble. Ça c'est une petite mini bouchée, avec tous les éléments, voir ce que ça donne. J'entends tout à fait, mais d'un côté, tous les autres ingrédients de l'assiette ne sont pas assaisonnés du tout. C'est vraiment la sauce qui va venir... Qui va venir lier tout ça. Tac, pour voir. Mais fort le ponzu. C'est vrai, on est un poil trop en acidité, un poil trop en sel. Donc tu casses cette acidité, cette salinité justement avec un corps gras. Donc qu'est-ce que tu pourrais mettre? On peut faire une huile de cèpe, on peut faire même l'huile d'olive infusée avec un peu de cèpe. Ah, l'huile ça va adoucir. Faire une huile d'olive avec des parfums de cèpe qui va apporter de la rondeur et qui va venir adoucir ce ponzu un peu salé et un peu acide, je pense que c'est une vraie bonne idée. L'huile de cèpe, putain, ça te fait une couleur, elle est black. Ambroise rectifie l'assaisonnement et c'est prêt. Du coup, avec les garçons, j'en profite pour leur faire goûter l'entrée. Allez, allez moment bon. De vérité. Je pense que c'est laser. Le goût du plat, c'est dingue, la texture du poisson, elle est top. Mais franchement, tu peux être contente de toi, hein. Franchement, ouais, c'est canon, voilà, c'est canon, c'est frais, c'est laser. Magnifique, frère. Ah bah là, mon entrée, franchement, je la trouve chouette. Le fait que Louise aimait vraiment confier le truc, c'est hyper valorisant, parce que c'est une belle entrée de finale, ça, franchement, ça envoie, quoi, c'est cool. Et vous savez quoi, les amis? Moi, ce que je vous propose, c'est Pascal. Pascal, hein. Pascal. Ah, voilà. Ambroise. Ambroise, vas-y. Il est là avec nous. Voilà. Ah, qui c'est qui a le droit de m'éclater? C'est pas moi. Allez, Victor, à nous. Allez, hein, c'est là.
Elle fait plaisir à voir cette brigade. Ce qui est sûr, c'est que l'entrée de Louise est très audacieuse. J'y crois dur comme fer. Dès son arrivée dans le concours, nous avions tous décelé son grand potentiel. Bon, parlons peu et parlons bien. Oui. Dans quelle brigade tu veux être? Ne te laisse pas influencer. Hein. En tous les cas, on a l'air tous intéressés. Je ne vais pas vous décevoir. À plus tard. Okay. À tout à l'heure. Merci. Et vu le dessert qu'elle nous avait proposé, j'ai tout de suite voulu l'avoir dans ma brigade. On peut l'applaudir, Louise, qui est choisie. Oh, je sens toute touchée, Louise. Ah ouais, là, c'était... Je suis très, très heureuse d'être avec vous. Très émue. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est sûr, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce sacré bout de femme. À seulement 26 ans, Louise est déjà chef de son propre restaurant à Lisbonne. J'ai une brigade de filles, ça s'est fait assez naturellement. Ça, c'est bon. Pendant longtemps, j'ai eu une brigade avec principalement des garçons. Il y a eu quelques épisodes un petit peu compliqués. Et en fait, naturellement, on s'est retrouvés que des filles en cuisine. Le féminisme, c'est pas du tout contre les hommes, mais c'est pour les femmes. Une chef engagée pour la cause des femmes qui a une cuisine d'instinct, moderne et percutante. Dans ma cuisine, je suis très libre et très créative. Voilà, c'est une cuisine qui est brute. Il faut que ça pique, il faut que ce soit acide, il faut que ce soit aillé, il faut que ce soit salé, il faut que ce soit un truc qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Même si nous avons parfois été un peu déroutés, Louise n'a pas eu peur de prendre des risques, comme sur l'épreuve du feu avec son aubergine, où elle avait réalisé un œuf mollet cuit dans la braise. J'aime beaucoup. Ah, ouais, bastante. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il l'a très bien réussi. Et puis, il a un petit goût fumé et c'est subtil. Ce n'est pas exagéré. C'est très bon. Louise, premier coup de cœur de la saison 13. On est sur la bonne voie. Et Louise ne s'est pas arrêtée là. Sur l'épreuve du dessert vivant, elle avait réalisé un étonnant bouillon de choux qui changeait de couleur. Le dessert a pris vie, le dessert a disparu. À la moitié, en tout cas. La couleur a changé, c'est osé. Et je pense que c'est un très bon point fort. Ouais, yeah, yes. Allez, bravo, on continue sur cette lancée. Avec Louise, il ne faut jamais s'inquiéter. J'ai eu raison de lui faire confiance, car elle a fait preuve d'une grande créativité, saluée par les plus grands chefs. Je n'ai jamais mangé de nappe auparavant. C'est très, très impressionnant. En tout cas, ça me plaît. C'est un beau plat de pommes de terre. Je me régale en dégustant et je dois dire que c'est un très joli travail. Vraiment bravo. La force de Louise, c'est qu'elle a été constante et je n'ai jamais eu à l'envoyer en dernière chance. Alors autant dire qu'avec ses victoires, ma petite Louise, elle m'en a procuré des émotions. Louise n'a certes pas l'expérience des palaces et des banquets, mais je suis persuadée qu'avec sa brigade 100% masculine, elle va surprendre les 80 convives. Bon, les gars, on est motivés ou quoi? Ouais, on y va à fond. Je suis prêt totalement. Je suis on fire aujourd'hui pour envoyer 80 couverts en 10 heures de cuisine. Je fais totalement confiance à la brigade. J'ai foi en eux et je pense qu'ils ont foi en moi. Et c'est ça qui va faire la réussite de cette finale. Ah, je suis très, très content personnellement d'être avec Arnaud. Moi, je pense qu'il va gagner. Il va gagner. Il y a les goûts, il y a le côté un peu accessible, gourmand. Pour moi, c'est un menu parfait. On est dans la meilleure brigade. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans la meilleure brigade. Il a fait un menu de fou. On sent qu'il y a mis son cœur. Ça donne envie de se battre pour lui. Faut qu'on gagne, mais on va gagner de toute façon. Alors, vous êtes bien? Oui, je pense qu'on va être très très bien. Aujourd'hui, pour la finale, moi je décide de vraiment partir sur du belge. En fait, ça va raconter ma jeunesse, ça va raconter une balade. Quand on allait à la mer, on allait à Berck-Plage, on allait au Touquet, on allait manger une casserole de moule, quoi. Donc je voulais vraiment ramener un petit souvenir d'enfance, pas spécialement un truc très compliqué à comprendre pour les convives, mais quelque chose de gourmand. C'est vraiment la gourmandise de l'émotion et... On s'amuse, quoi. Donc, pour l'entrée, on va mettre des moules simplement ouvertes. Avec ça, je vais faire une marinière herbacée. Donc, je vais récupérer le jus de cuisson des moules. On va mettre plein d'herbes aromatiques. On va monter ça avec du beurre, de la crème. Et pour les frites, je fais trois réinterprétations. Donc, d'abord, on réalise des chips de pommes de terre trempées dans du vinaigre. Le vinaigre va avoir pour but d'un peu enlever ce gras qu'on a souvent dans les frites. Après ça, on va faire des pommes de terre qu'on va cuire avec un bouquet aromatique, avec un peu d'ail, leur donner déjà un premier goût, puis les remettre à fumer. Ça va apporter une profondeur au goût. Et pour finir, on va créer un voile avec de la peau de pommes de terre. Ça va rajouter de la texture et de la mâche.
Et le fameux voile, tu l'as comme il faut, très fin. Très fin. Aucune texture, fondant. Voilà, machin. Très fondant. C'est bien. Arnaud part vraiment sur une entrée accessible que tout le monde connaît. Mais là où il est très fort, c'est qu'il va en faire un plat de palace avec la pomme de terre en trois façons. Et notamment son voile de gelée de pomme de terre qui va amener de l'élégance et toute l'originalité à son assiette. Maintenant attention, pour ne pas dérouter complètement les convives, il faut qu'on retrouve malgré tout les goûts et les marqueurs des moules frites. Une moule, c'est la mer, quoi. C'est juteux, c'est moelleux. Quand tu manges une moule qu'elle est bien cuite, t'as l'impression de boire la tasse. Faut qu'on sente le iode, quoi. Faut qu'on sente la mer. Ouais, hein. C'est vraiment très, très iodé. Donc ça va jouer sur la cuisson de la moule. Hein. Oui, clairement. Ouais. Allez, c'est bon, donnez tout. Hein. Allez, les gars. Allez, Lucie. Bam. Donc, l'ignorance se met sur la cuisson des moules. Moi, je l'ai fait confiance sur l'entrée parce que je sais que Lilian a exactement compris où je veux arriver avec cette entrée. Bah là, je suis en train de laver mes petites moules. Hein. C'est bien de laver les moules, de les faire dégorger avec un petit peu de sel pour en fait que tout le sable se retire. Je pense que Arnaud, il a confiance en moi, il connaît un petit peu mes compétences. Pour la marinière de moules, on va prendre les moules, on va les dégorger une première fois avec du sel, puis un deuxième lavage à l'eau claire. Ensuite, on va faire chauffer un rondeau à sec avec un peu d'huile. On va mettre les moules avec une garniture aromatique à base d'échalotes, de thym et de laurier. Une fois qu'elle soit bien toute ouverte, je vais les mettre directement dans le bac à trous. Comme ça, j'ai bien récupéré le jus pour la sauce. Et après, on récupérera les moules pour notre entrée. On va les déglacer avec du thym. Et une fois qu'elles sont ouvertes, on les débarrasse et on les met en cellule. Elles sont... Alors, ça sent bon. Ça sent bon, ça le bonheur. Bon. Les trucs, j'ai vu que vous avez cuit les moules. Les moules sont cuites. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir les moules? Tu peux nous montrer les moules? Je vais venir avec vous. Tiens, viens voir, Polo. C'est surcuit, hein, toi. Je pense quand même que vous avez cuit trop superposés les unes aux autres. Mais ça, tu vois, t'as pas à voir ça. Regarde, c'est tout sec déjà. Chef, je ne peux pas vous mentir. Non, j'ai pas regardé ça. Et là, on n'y est pas. On n'y est pas. Les moules sont trop cuites. Franchement, ça me fait chier. Les éléments phares de tes plats. Cuisson de tes moules. On doit pas souper. Mais merde, Arnaud, tu dois suivre le bordel. On est en finale quand même. Je n'ai pas été voir les moules. Ouais, je me fais passer à beau savon, quoi. Et ça, c'est l'élément fort. Essaye, s'il te plaît, de rattraper ça parce que autant il y en a qui sont pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont trop cuits. Ça va. Et la Belgique, quand même. Je vais le faire. Ah, tu peux pas te tromper sur la cuisson de la moule, je suis désolé. C'est comme la finale, en finale. Je pense qu'on a moyen de bien faire. Ok, bien Arnaud, il reste 6 heures. Toi, tu checkes bien ce qui se passe sur les trucs importants, Arnaud. C'est ton épreuve, c'est ton épreuve. Je viens de faire le débrief, chef. T'as une finale à gagner. Et je veux que tu fasses attention, que tu sois un leader, là. Bien sûr. T'as eu du mal à rentrer dans la compétition, mais après, à chaque fois, t'es passé par la grande porte. Hein. Allez, viens, prends de l'énergie, frère. Allez, viens. Allez. Vas-y. Allez, bon courage, l'équipe. Hein. Merci, chef. À tout à l'heure, allez. Allez, on y croit. Allez, l'équipe. Hein. Il y a une distraction de ma part et il y a peut-être un excédent de confiance de Lignan. Je lui en veux absolument pas. Mais voilà, je ravale un peu ma fierté et j'écoute mon chef. Qui sont différentes de tout à l'heure. Je les trempe dans de l'eau bouillante salée. À peine 10 secondes, je les retire. Elles continuent à s'ouvrir avec la chaleur résiduelle. Le secret, c'est vraiment de les sortir. Elles doivent faire un passage éclair, en fait. Et là, ta texture de moule, elle est totalement différente. La chair, elle est beaucoup plus grosse. Alors, enveloppe vraiment parce que t'as pas de surcuisson, donc t'as quelque chose qui est encore très, très goûteux et t'as quelque chose d'extrêmement fondant. On a vraiment l'impression de manger la mer. Arnaud a eu raison de reprendre les choses en main. Cette cuisson express à l'eau bouillante va permettre aux moules d'être fondantes et de garder toute leur iode. Bien joué. Maintenant, reste à s'occuper du voile de pomme de terre qui va transformer ces moules frites en une entrée de palace. Là, tu fais le voile ? Ouais. Là, je vais me mettre sur le voile pour l'entrée moule. Le voile, il va apporter à la fois de la texture et aussi un graphisme qui va vraiment être joli parce que ça va être en transparence. Juste avant, j'ai foiré la cuisson des moules. Ce voile de pommes de terre, c'est clair qu'il ne faut pas que je me rate. Pour réaliser le voile de peau de pommes de terre, je vais prendre toutes mes parures de pommes de terre, je vais les faire colorer à 200 degrés. Après, j'ai fait suer des échalotes, j'ai rajouté de l'ail, du thym, du laurier. J'ai rajouté mes peaux de pommes de terre qui ont rôti. Après, il va falloir que je mette de la gare. Faut pas se tromper parce que sinon, il va être trop pris, il va être trop cassant. Faut le faire vraiment précis, quoi. Voilà, alors là, je vais mélanger la gare agar avec le jus et on va le mettre à bouillir. Il faut que ce voile il soit un petit peu marron. Translucide, mais c'est surtout sur le côté, il faut que c'est du goût bien sûr, que ce soit bon, mais c'est aussi ce côté un peu sexy quoi. C'est la moule frite qui met sa robe de soirée quoi, en gros.
Ce voile de pommes de terre, une fois collé à l'agar-agar et à la gélatine, je vais l'écouler dans des plateaux pour que ça fige. Ce qui est bien, c'est qu'elle est bien translucide, le voile il va faire très pur, alors ça c'est bien. Moi je suis content, après il faut qu'Arnaud soit content. Il est très exigeant, Arnaud. Oh, mec, je vois peut-être pas bien, mais j'entends très très bien. Hein. Et je dis que t'es exigeant. Ouais, ouais. Bah alors, te plains pas. Moi, cette finale, j'aurais aimé la faire et la gagner. Et comme je peux pas la faire, et que Arnaud, c'est un vrai ami, je vais tout donner pour lui pour qu'il la gagne. Je me mets un peu la pression pour Arnaud. C'est important pour moi qu'il gagne, ou au moins qu'il soit fier de son menu à la fin. Quoi. L'enjeu, il est énorme pour lui, alors j'ai envie qu'il soit satisfait de son menu et qu'il gagne. Non, mais... En fait, ceux-là, ils sont trop fins. Okay. C'est pour ça. Mais j'en ai combien? En fait, il y en a 10 par plateau en général, tu vois. Ouais, et t'en as combien des plateaux? Bah, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À tout à l'heure. Je vois Lilian qui fait un travail exemplaire. Il me fait un voile de pommes de terre, mais qui est hyper fin. C'est super propre, c'est comme je lui ai demandé. Mes 4 coéquipiers de brigade, je les trouve on fire comme moi je le suis. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils font leur finale aussi. Et je trouve ça super cool. C'est vraiment génial. Bon, les gars, on donne tout, on gagne cette putain de finale. Hein, ouais, on va gagner la finale. Allez, ça va le faire. Président. Ça fait plaisir de voir cette cohésion d'équipe autour d'Arnaud. Il le mérite tellement. Car à 36 ans, ce Belge, chef exécutif d'un groupe hôtelier, a dû surmonter plusieurs épreuves dans sa vie. Ma maman est décédée il y a 10 ans cette année. C'est encore une plaie qui est assez ouverte. Aujourd'hui, si je suis un cuisinier, c'est clairement grâce à ma mère. Je fais ce concours pour moi et pour elle, parce que je pense qu'elle aurait été hyper fière de ça. J'ai envie de lui prouver, même de là-haut, qu'elle peut être fière de son fils. Mais le grand combat de ma vie, c'est l'acceptation de ma sexualité. En cuisine, c'était des insultes au quotidien. Allez, sale tapette, t'as rien à faire ici. Mais j'ai rien lâché et je peux être quand même fier de moi parce que c'était très très compliqué. Dans la vie comme dans le concours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour lui. Et ce, dès son arrivée, où il s'est retrouvé sans chef dans la brigade solitaire. Ça passe tout juste, mais ça passe, Arnaud, c'est l'important. C'est le plus important, je pense, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous prouver et à me prouver aussi. Mais Arnaud s'est accroché. Et dès la deuxième semaine, il s'est imposé en dernière chance et a pu intégrer ma brigade. Yes. C'est Arnaud. Mon parcours sur Top Chef, c'est un parcours très atypique, mais qui est assez à mon image. J'ai vécu des gros ratés. Les dernières chances, j'en ai fait pas mal. Mais je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Toutes ces épreuves dans le concours lui ont servi, premièrement, à se surpasser en équipe. Wilfried, Arnaud, Michael, vous remportez la guerre des restos de la 13e saison de Top Chef. Il a ainsi remporté la guerre des restos aux côtés de Michael et Wilfried. Puis une autre épreuve mythique de Top Chef, avec comme coéquipière Louise. Sébastien Vauxion, qui remporte cette 10e édition de la boîte noire. C'est l'équipe de Glenn, Réal et Pascal Barbeau. Arnaud a alors ensuite pris son envol en solitaire. Il y a eu un moment charnière dans le concours, c'est ma rencontre avec Massimo Bottura. J'ai réussi à émouvoir la chef 3 étoiles avec quelque chose de très simple, avec une soupe. Una zuppa. Une soupe exceptionnelle. Una cosa mais vraiment fantastique. Merveilleuse. Oh, allez. Allez, on lâche les chiens maintenant, ça suffit, connard. Top Chef, ça n'a pas été qu'un concours culinaire. Pour moi, ça a été une extrêmement grosse thérapie. J'ai fait une introspection énorme. J'ai pu poser des mots sur des sentiments que j'avais. Le concours m'a fait vraiment changer le regard que je pouvais avoir sur le décès de ma maman. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait le deuil. C'est là, à partir de ce moment-là, que je me suis dit, en allant rechercher des souvenirs et de l'émotion, il y a moyen de faire quelque chose. Coaché par Dominique Crène, il a ensuite réalisé pour moi l'un des plats les plus aboutis de la saison sur le thème de la tomate. Notre tomate, là, qui est pure, qui est nette, pas de fioriture. Bam, la tomate, pas de chichi, c'est clair, c'est très honnête. Hein, je pense que c'est même pas assez donné. Voilà. C'est super, hein, franchement. Super. Il y a un vrai travail. Sur la tomate, dans un temps imparti qui était très court, bravo. Faut que tu te fasses confiance. Ouais. Regarde ce qu'ils disent. Mais regarde ce qu'ils disent. Prends confiance en toi-même. Ouais. N'aie pas peur. C'est donc en pleine confiance qu'Arnaud est arrivé en quart de finale. Il a littéralement dominé les débats en remportant ses 2 passes qualificatives sur les 2 premières épreuves. Il a épaté, excusez-moi du peu, Mao Colagreco sur son dessert de fleurs.
C'est un plat qui est assez équilibré et en même temps, c'est intense. Et ça, j'aime bien. On peut dire que c'est un assiette de quart de finale réussi. Et la chef Stéphanie Lekelec avec un improbable plat caché aux saveurs italiennes. Vraiment. Ah. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de contraste, il y a un petit peu d'acidulé, il y a un peu de sucrosité, c'est très bien assaisonné. C'est une assiette qui marche vraiment bien. C'est vraiment un très joli travail. Là. Franchement, il a su avoir les épaules costauds. Je crois que le concours, ça lui a fait un bien fou. Et Arnaud, c'est quelqu'un qui a su, au fil des épreuves, grandir. Incroyable. Après 18 semaines de concours, Arnaud est devenu un solide finaliste qui a sa propre identité culinaire. Il a les épaules pour devenir le Top Chef 2022 et me faire remporter ma première victoire. Attention, chaud derrière. Caliente, caliente. 10h, 80 couverts, c'est faisable, mais c'est un énorme défi. C'est le moment, il faut justement pas qu'on relâche. La cadence, ça commence à s'accélérer. On a bien avancé, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Et je sais que le plat va être un travail de très longue haleine. Question, Louise. Oui. Là, sur le carré, tu veux qu'on garde que la noix ou tu veux qu'on garde ça en plus? Peut-être on les coupe en... par deux côtes. Par deux côtes, ficelées, on met dans des... Ficelées, exactement. Ok, ça va, super, pas problème. J'ai voulu présenter cette recette pour mon plat de finale parce que j'adore la côte de veau. Pour moi, c'est un repas de fête, en fait. Après, j'ai voulu faire un clin d'œil un petit peu à mon parcours dans Top Chef où j'ai fait beaucoup de ternaire à chaque fois que j'ai fait de la viande. Voilà, ma personnalité, bah, c'est souvent les ternaires. Ça m'a toujours porté chance, donc j'ai envie de jouer la chance encore une fois. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Là, pour le plat de Louise, là, je suis en train de préparer les carrés de veau. Faut que j'accélère parce qu'il y en a un paquet. T'as besoin de combien de temps pour un carré? Pour un carré, 10 minutes. 10 minutes? Ouais, c'est ce que j'ai compté. Tu serais pas maf, toi, par hasard? Quel est con. Quand je vois mon minot là, qui est en train de décalquer tous les carrés de veau, là, il va à fond. Il chôme pas, hein, parce que quand même, le taper 8 carrés de veau, ça prend beaucoup de temps et il s'arrête pas, quoi. Clairement, là, je suis dans mon élément. Bon, après, il y a de la viande à tabasser, quoi. Du coup, moi, je suis content de le faire. J'adore travailler la viande. Du coup, non, là, je suis vraiment bien. Donc, je vais donner tout mon maximum pour Louise, pour pas la décevoir. Déjà, avec Louise, ben, c'est vrai qu'on s'est rencontrés durant la guerre des restos. On a vraiment kiffé cette épreuve. Puis, on a cuisiné ensemble. C'est là où on s'est découvert. Sa recette, je pense que c'est une recette gagnante. Et c'est pour ça qu'on va tout faire pour aller au bout et pour gagner cette finale. Ah, ça va le faire, en plus avec Thibaut là. Ouais. Bon, je pense que c'est pas l'heure du câlin. Allez, pour nous celle-là. Sur le plat, alors je veux juste quand même qu'on se refasse un petit... Alors, le plat, nous avons une côte de veau rôtie sur l'os. Belle cuisson rosée. J'enlève l'os et ensuite je le taille en tranches. Ensuite, on va avoir l'anguille fumée. Ok, donc ça va venir condimenter ta viande. Ok. Donc on aura vraiment le côté très tendre du veau et le côté fumé et salin de l'anguille. Et pour moi, à mon goût, ça va hyper bien ensemble. Ensuite, on va faire un bon jus de veau perlé avec l'huile d'oseille pour avoir un petit peu d'acidité. Ouais, ouais, ça me va. En garniture, on aura une petite purée de pommes de terre bien réconfortante et la sucrine, elle est braisée et à l'intérieur de l'huître au beurre à l'ail. Je pense qu'on peut se régaler, Louise. Hein. Je pense qu'on peut se régaler. Ah ouais? Le côté ternaire, ça marche très très bien. L'anguille avec le veau, j'ai aucun doute sur cette association-là. C'est un plat qui va avoir du relief, ça c'est certain. Donc la sucrine, elle est braisée, d'accord? Elle est braisée. Avec une huître à l'intérieur. L'huître est fraîchement ouverte, avec un petit peu de beurre, un petit peu de citron. D'accord. Je sais que Louise a pris des risques tout au long du concours et que ça a toujours payé. Mais là, proposer une huître entière à 80 convives, je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie. Il faut peut-être qu'elle ajuste sa recette. Tout le monde n'aime pas l'huître, donc quand même, il faut qu'elle soit traitée de manière à ce qu'elle soit un peu effacée. Ça passe ou ça casse, hein? Voilà. Voilà, chef. Donc c'est toi qui es sur le veau, c'est ça? Ouais, on te fait confiance, hein? Chef. Regarde l'œil de Philippe, ça peut être qu'on ne te loupe pas. Elle était maligne, Louise. Elle sait que Pascal, il envoie du bois à chaque fois. C'est sûr. Pascal, c'est un super atout dans la brigade de Louise, c'est clair. Allez, t'as du boulot. Belle cuisson du veau, bien rosé. Chef. Tu ne vas pas te planter aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Ouais. Il n'y a pas de raison. Et si tu peux le faire. Merci beaucoup. Allez. Ça va aller, chef. Ça va aller. Allez, tout merci pour tout. Sur l'harmonie des saveurs et tout machin, je suis assez confiante et je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Et que ça va être bon.
Donc je reste sur mon idée. Là, je suis en train de les ficeler. C'est pour avoir une meilleure tenue de la viande à la cuisson. La cuisson, il faut que ce soit vraiment là, une belle cuisson. Là, il faut qu'elle soit parfaite. Rosée, parfait. Soit nickel. Ouais. Là, il y a du boulot. Là, faut envoyer, on n'a pas que ça à faire. Là. Pour la cuisson du veau, on va venir les colorer dans une poêle très très chaude avec de l'huile sur chaque côté, donner une belle coloration. Une fois qu'on a une jolie coloration, on rajoute notre beurre dans la poêle, une tête d'ail, de la sauge et on vient arroser la côte de veau pour venir vraiment la nourrir. La bonne cuisson pour du veau, c'est une cuisson rosée à cœur. On se fait plaisir, monsieur Baron de Nori. Ouais, cher. Mino, t'es comment là? Ça sent bien? Ça pue là. Il y a déjà là. Ok. Ok. Voilà. Ta cuisson, ça te plaît? Ouais, c'est bien. Une fois qu'elle est cuite, on va venir la découper. On vient enlever l'os. Et ensuite, on va venir tailler des petites tranches de veau. On est large en quantité ou pas? Ouais. Pascal a super bien géré la cuisson du veau qui m'a l'air bien rosé comme il faut. J'espère que Louise a réfléchi à la préparation de ses huîtres qu'elle a prévu de disposer dans ses sucrines. Ça picote! Donc là, en gros, on va les faire briser. On les assaisonne bien. Voilà, je les retourne toutes une fois. Comme ça, je colore bien les deux faces. Pour réaliser les sucrines, on va juste les faire colorer très rapidement avec de l'huile et un petit peu de sel. Et ensuite, on va les déglacer avec une extraction de pommes Granny Smith et de laitue. Voilà, ça apportait de l'acidité, ça va venir titiller les papilles. Pendant ce temps, on va ouvrir toutes nos huîtres. Bon Pascal, on se fait un petit concours ou bien? Allez, si tu veux. Tu ne m'auras pas, moi aussi je suis pêcheur, j'adore ouvrir les huîtres. Allez, 4, 5, je crois que t'en as une d'avance sur moi. Là, je crois que tu as 7 là. T'en as combien là? Je suis à 7. Là, je suis à 9. Tu sais quoi, je t'en fais une de plus. L'huître, c'est une grosse prise de risque. Mais d'un côté, j'ai bon espoir que même les gens qui sont un peu hésitants sur l'huître, ça leur plaira et comment ils diront, bah voilà, j'aime pas ça, mais aujourd'hui, j'ai été réconcilié, quoi. L'huître, c'est quand même clivant, c'est quand même osé, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Il faut trouver une façon maligne, en fait, de la faire manger, de la faire apprécier. Donc, je me dis, pourquoi pas les faire pocher dans l'eau naturelle des huîtres. Voilà, là je suis en train de pocher les huîtres pour qu'il y ait une meilleure teneur en fait. Ça va enlever aussi ce côté un peu visqueux de l'huître. Les gens, ils n'auront pas ce côté un peu dégoût de l'huître. En plus, on décide de la présenter en tartare, de la cacher un petit peu. Au lieu de mettre l'huître entière, le tartare d'huître, je pense que c'est une bonne idée. Ça fera peut-être un petit peu plus passer l'animal. Les huîtres, j'en mets l'équivalent de une dans une sucrine. Si je taille ça en trois, j'en mets une, deux, trois tout long avec le petit beurre dessus. Je mettrai un peu plus. Et je les coupe en trois, je fais des petits bouts. Comme ça, ouais. Je fais comme peut-être ça. Peut-être retailler encore. Plus petit. Je vais tartiner la sucrine avec le beurre d'ail. Je dépose des petits morceaux d'huître sur tout le long de la sucrine. Et je vais envelopper tout ça dans une feuille blanchie pour redonner vraiment cette forme un peu pointue et que dans l'assiette, ce soit net, parfait, sans faute. Donc en gros, on aura quelque chose qui sera vert à l'extérieur avec ce côté hyper frais. Et en fait, quand on ira à l'intérieur, il y aura le côté rôti. Et en plus, il y aura l'iode de l'huître sans avoir un côté gélatineux parce qu'elle aura été coupée en morceaux. Et paf, on a une portion. Je suis confiant, après faut rien lâcher parce qu'on en faire 80, on en a fait 12. C'est un marathon. Louise a été très maligne de pocher et couper ses huîtres. Comme ça, les convives ne retrouveront pas la texture habituelle qui peut être désagréable pour ceux qui ne les aiment pas. Et cachés dans ses sucrines, ils ne sentiront qu'un gouillodé qui sera très intéressant. Bien joué ma Louise. Vous avez besoin d'une aide? Oui, je vais même pas faire la planche, s'il te plaît. Fais-moi un petit massage aussi. Tu vas bien massage? Ah ouais, merci. Parce que j'ai le tort. Hein. Allez, à tout à l'heure. Si vous avez besoin d'aide, on n'est pas là. De bagne. Je suis tendu comme un string. Je suis un peu stressé aujourd'hui, c'est normal. Arriver jusqu'ici et ne pas réussir, ça me ferait un peu royalement... T'inquiète c'est la pas, suite. Mon nono, on est avec voilà. Toi. Donc, j'ai vraiment envie de réussir. Mon point fort, je pense que c'est clairement la ténacité. Je suis un petit roquet, celui qui se met à ton mollet et qui ne lâche rien. J'ai une idée en tête, c'est de gagner. Et avant même de gagner, j'ai envie que les gens se délectent de nos mets. Bon, ton waterzooi, vas-y, dis-nous. Alors, le waterzooi, c'est un plat typique belge que moi j'ai mangé quand j'étais gosse. J'ai grandi avec ça. C'était le truc qui cuisait pendant des heures dans la cuisine. Alors, c'était rarement bon. Ma mère, c'était pas non plus la plus grande cuisinière du monde. Elle le faisait avec son cœur, mais c'était pas non plus. Il y avait des plats qu'elle maîtrisait à mort, et puis il y avait des trucs, c'était un petit peu ambivalent, quoi. Voilà, ici, j'ai juste envie de prouver aux gens qu'on peut faire plaisir avec quelque chose de très simple. Le poulet, il va être cuit à basse température sous vide. Il va être cuit à 60 degrés.
Ça va lui permettre d'avoir une chair qui est très tendre, très juteuse. Et alors dans le plat, le twist, c'est vraiment cette volaille qui va être marinée au lait ribot. Donc c'est un lait qui est assez acide, avec la citronnelle, le galanga, donc le gingembre taille, de l'ail. D'accord. Donc on va avoir ton blanc de volaille, puis à basse température moulé, un par un, c'est au torchon, puis sous vide. Oui, on va la cellophaner pour la rendre vraiment... Okay. Triangle, quelque chose d'assez laser. Ok, je sais pas la cuisson parce que compliqué hein, le blanc. Hein. Pourquoi on n'aime pas en général le blanc? Parce que c'est sec, donc faut faire attention quoi. Ouais, clairement. Ok. Et on est d'accord qu'il y a ce pressé de légumes avec trois légumes. Carotte, c'est le riz des cons. Le premier légume, donc la carotte. Puis je mets un petit peu de farce fine de volaille. Puis je remets, c'est le riz et je monte deux fois. Ça, on le cuit au four, vapeur. Et alors pour ajouter une texture, je fais un crumble de CP parmesan. Ouais, c'est bien. Et il y a un petit jus là-dedans quand même. Hein. Ouais, en fait, je vais faire deux sauces. Il y en a une qui est liée au parmesan pour venir napper la volaille. La sauce du Waterzaï, c'est un fond de volaille qui est crémé. On va rajouter du beurre, on va rajouter du vin jaune, du Jura, c'est quelque chose de très très bon. Et alors, je vais aller contrebalancer ça avec le parmesan. Et après, une en saucière qui est vraiment la même base sans le parmesan, qu'on va alléger avec de la crème fouettée que les gens viendront mettre au milieu. Voilà, ok. Fais-nous un jus bien pêcheux. Oui. C'est un terrain où tout le monde va à la volaille, on en mange tous une fois par semaine, j'ai envie de te dire. Donc t'as intérêt à envoyer, la patate. T'as envoyé du gros, d'assaisonnement parfait, avec du relief. C'est ça. Faites des jolis laquages, des jolis assaisonnements, une juste cuisson, pour qu'on ait l'impression de manger pour la première fois de la volaille. C'est ça. Allez, maintenant, on lâche les chiens. Allez, courage. Merci chef. À tout à l'heure, allez. À tout à l'heure. Allez l'équipe, hein. Chef. Je suis vraiment d'accord avec le chef. Le poulet du dimanche, tout le monde le connaît. Donc aujourd'hui, je dois faire un poulet 3 étoiles. Et c'est pour ça que j'ai mis Mickaël sur le plat, parce que je sais que ça va être parfait. Je suis en charge du plat, c'est une grosse responsabilité. Je dois pas me planter parce qu'Arnaud il compte sur moi, il me fait relativement confiance là-dessus. Je vais lui faire honneur, hein, je vais tout donner. Moi j'aime beaucoup Arnaud parce que j'ai vécu d'énormes moments avec lui, sur la guerre des restos, sur d'autres épreuves dans Top Chef. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est du Nord aussi, comme moi. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime le partage. Et je ferai vraiment mon maximum parce que j'ai vraiment envie qu'il ait la victoire. C'est ma finale ou ta finale? C'est notre finale, les enfants. D'accord. On concourt tous pour la même chose. Je pense qu'ils sont en train de perdre tes volailles. Pour commencer ma recette, en fait, je prends les blancs de volaille, je les fais mariner dans un lait ribot. Un lait ribot, c'est un lait fermenté, en gros, tout simplement. Alors, il y a du lait ribot, la citronnelle et du daikon. Donc ça entraîne mariner, c'est simplement pour histoire d'attendrir un tout petit peu le blanc de volaille aussi et lui donner un petit côté un peu asiatique aussi pour qu'il y ait des saveurs d'ailleurs aussi en même temps. Et donc je récupère une heure après cette volaille marinée pour la rouler dans un film alimentaire. Mika, comme ça, ça va? Ouais. En fait, ça doit pas être très technique, mais ça doit être fait vraiment proprement. Mickaël, je roule juste une volaille avec lui pour être sûr et certain qu'il a bien compris là où je veux aller. Après, il faut vraiment qu'elle soit toute pareille, super belle, super propre. Parce que c'est vraiment sur le visuel que les gens ils vont d'abord voir le truc. Donc Mickaël, vraiment, je sais que tu as des mains de fée. D'ailleurs, on t'appelle dans le milieu la fée du plaisir. J'essaie de m'appliquer, faire quelque chose de droit, de régulier, précis. Une belle pointe. Une fois que c'est fait, je passe la volaille sous vide. Comme ça, ça va garder une concentration de saveur à l'intérieur et permettre que la vapeur qu'on va mettre dans le four ne rentre pas dans la volaille et agresser la chair. Bah, je mets à 64 degrés. 45 minutes 64, ok? 62, pardon. Ça va tout changer parce qu'après ça va tirer. Ouais. Après on va le retirer du truc dans 45 minutes, on teste un, et puis on peut repousser un quart d'heure, mais je préfère qu'on fasse 45. Yes sir, start. J'ai pas envie de foirer ma cuisson du blanc de volaille, surtout quand c'est ma mission personnelle. C'est juste pas possible. Donc là je suis doublement concentré. Là je vais regarder la cuisson du poulet, si tout va bien. Et je pense qu'il faut les retirer maintenant. Arnaud, la volaille, on va regarder si c'est cuit. Ouais, vas-y, coupe. À mon avis, tu vas être un petit peu en sous-cuisson, là. Vas-y. Non, je pense qu'on est bien, gros. Ouais, t'es nickel. Vas-y, coupe un morceau. Merci. La cuisson, c'est parfait, ça. C'est vraiment une belle cuisson. Bravo, Mika. Merci, mon chéri, merci. On a une cuisson qui est parfaite en basse température. En tout cas, la tendreté et la juteosité de cette volaille. Ça, pour le coup, ça, je suis hyper serein. Moi aussi je suis serein. La volaille a l'air très fondante et ce n'est pas étonnant vu l'attention que lui a apporté Mickaël. Et c'est aussi grâce à Arnaud qui a cette fois bien tenu son rôle de chef de brigade en gardant un œil sur le travail de Mickaël. Maintenant tu me fais une sauce qui tabasse avec ça. Yes. Alors c'est parti. Là je lance en cuisson les cuisses.
pour leur donner un peu de goût. Pour faire le jus, je prends des carcasses de volaille, belle garniture aromatique, oignons, carottes, du céleri, du thym, du laurier. Je mets tout ça à mijoter dans une grosse berta, on appelle ça. C'est important de bien les saisir à feu vif. On est pour de la volaille, hein. Vraiment, il faut vraiment lui donner du goût. Et la sauce, c'est vraiment le plus important pour un plat. Hein. Cette sauce, elle doit être hyper goûteuse parce que la volaille, c'est déjà fade. Donc il faut vraiment une sauce qui donne du peps et qui en envoie fort. Ça, ça sent bon, ça. C'est bon, Tomika. Regarde, là, il y a du goût, là, regarde. Sens. Ah ouais, ça donne... Ça sent bon. On se croirait sur le marché. Du goût. Bon, je vais le faire flamber avec un vin d'Arbois pour vraiment lui donner ce côté vin jaune, un peu, vin de noix. Et voilà, showtime, t'es parti. Je mets le feu au palace. Et là, c'est le menu d'Arnaud qui va gagner. Avec tout le goût là qu'on apporte là-dedans, sa sauce va être magnifique. Une fois que mon bouillon il est fait, je le passe au chinois étamine pour vraiment le clarifier, en garder que le jus et le meilleur. C'est magnifique. Ensuite, je fais réduire pour vraiment le concentrer en saveur. Commence à bien réduire, là. Commence à être pas mal, là. Je le divise en deux. Une partie qui va aller pour le nappage du blanc de volaille et l'autre partie qui va être la sauce vraiment Waterzoy. Donc la sauce Waterzoy, je lui ajoute 2 litres de crème pour vraiment lui donner un côté un peu onctueux, bien gourmand. Et dans le nappage, on ajoute un parmesan râpé pour vraiment lui donner un côté un peu plus fromagé, gourmand, un peu nappé aussi en même temps parce que le fromage va faire un liant. Ça, c'est la sauce et là-bas, il y a la réduction. Je goûte cette sauce, elle est démentielle. Si je ne dois manger qu'une chose dans le Waterzoy, je peux choisir, je ne mange que la sauce. Et ce glaçage, il a vraiment cette gourmandise que le parmesan lui apporte. C'est juste une dinguerie. La sauce de son Waterzoy va apporter toute la gourmandise à sa volaille. Je suis sûr que les 80 convives vont être conquis par ce plat belge. Michael est à la hauteur de sa réputation de rôtisseur saucier. Arnaud peut être fier. Tu fonces maintenant. Bon, les gars, on donne le tout comme si c'était la finale de chacun. Comme si c'était votre finale. Hein. Oui, chef. Du côté de Louise, tout le monde s'active pour arriver au bout de ce marathon culinaire. Et j'ai d'ailleurs hâte d'en savoir plus sur la touche finale de son menu, son dessert à l'ail noir et à la mousse végétale. Le dessert, moi, parce que c'est bien la philosophie, la manière que j'aime aborder la pâtisserie. C'est toujours faire des desserts avec des ingrédients un peu moins communs. Il y a de l'ail noir, il y a du miso. Mon dessert, ça passe ou ça casse? J'ai peu de doutes sur le fait que le menu d'Arnaud sera plus rassurant que le mien. Là, je mise sur l'audace et l'originalité. C'est un parti pris, c'est culotté aussi, mais c'est ce qui va faire la différence aujourd'hui. Attends, vas-y, refais-le-moi, là. Donc, glace à l'ail. Glace à l'ail noir. À l'ail noir, d'accord. On a une mousse au chocolat blanc caramélisé qui est infusé avec de la mousse végétale. D'accord. Ensuite, crumble. Crumble sarrasin, feuilletine, très gourmand, noisette. D'accord. Et j'ai un sponge cake pistache aussi. Une tuile dentelle au sarrasin. D'accord, ça me va. Et un caramel mis au vinaigre de riz. Ouais, c'est assez bien. Alors le dessert, elle repart dans cette idée de glace à l'ail noir qui est formidable, hein. C'est quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement et qui marche super bien. Elle y rajoute un côté végétal, elle ne pouvait pas s'en passer bien sûr, donc elle veut faire infuser de la mousse qu'on trouve dans la forêt. C'est pas banal, c'est quand même très risqué, très osé, mais c'est du Louise une fois de plus et moi je vais lui faire confiance. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de boulot, ça aussi, il faut quand même se le dire. En effet, ce n'est pas une mince affaire. Car entre la tuile de sarrasin, la glace à l'ail noir, le crumble et la mousse au chocolat infusée à la mousse végétale, elle a une grosse responsabilité. Ouais, toi, tu m'as mis... Bien. Ouais. Le truc le plus long, ça va être de faire les tuiles. Ok, je me mets d'abord sans les tuiles, alors. Ouais. Ok. Sporty. Là, Louise, elle m'a mis sur le dessert. C'est une recette assez audacieuse et ça a l'air d'être très gourmand, mais assez technique. Donc, il faut que je réalise correctement. Pour commencer, je me lance sur les tuiles. Là, je fais ma base de tuiles. Pour réaliser ma tuile de sarrasin, je mets de l'huile, de l'eau, de la farine de sarrasin et du sucre. Donc là, il faut beaucoup d'appareils. Donc, on prend une grosse marmite. Je prends ma grosse marmite, je commence à envoyer les choses et je prends mes casseroles, j'envoie. Là, j'ai envie de me surpasser et que ces tuiles fonctionnent, quoi. Je commence les tuiles. C'est un peu compliqué. Quand je mets mon appareil dans la poêle, c'est une catastrophe. Il y a des énormes trous, c'est trop fin et en gros, ça se casse rapidement. Ce qui est compliqué dans les tuiles, c'est déjà de le décoller et d'avoir une belle dentelle, quoi. Et le temps avance vite, mine de rien. Ils sont fragiles. Et il faut que je réalise une centaine de tuiles.
Ça se passe bien? Tu arrives là? Ouais. Ok, je vais attendre. Oh putain, mais ça avance pas ça. Ouais, c'est chronophage là. Je me rends compte que du côté des lices, il n'y a rien de terminé. Et là, ça commence à me faire un petit peu peur. Parce que j'ai une glace, j'ai une mousse, ces trucs qui prennent quand même du temps au froid. Et tout doit sortir en temps, en heure. Tu sais quoi? En fait, on va se mettre à deux sur le dessert parce que les garçons, ils sont bien là-bas. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu fasses bien chauffer tes poils. Ouais. Tu mets quand c'est bien chaud, t'as une première évaporation et ensuite, tu fais cuire tout doucement ici. Mais le mix, il faut vraiment qu'il soit hyper bien mélangé à chaque fois. J'ai bien l'impression que Louise et Ellie sont dans la panade sur la préparation du dessert. Alors, qu'est-ce que tu fais là? On fait des tuiles de sarrasin, c'est pour terminer le dessert. Ok, donc sur le dessert, il te manque ça et le caramel, c'est ça? Beaucoup plus? Bon, alors, donc du coup, là, qu'est-ce que tu fais pour ces tuiles-là? Mais c'est juste qu'elles mettent très longtemps à cuire. Bon, mais nous, on te fait les tuiles. Pour l'instant, le dessert, c'est la tuile quand même. Hein. C'est la tuile, on peut le dire. Eh oui, bon. Là, il faut que vous avanciez. Oui. Vous allez voir, ça va passer très, très vite. Allez, Elise, on se fait confiance, hein, d'accord? Oui, chef. Retirer une tuile d'une poêle méga chaude, il faut savoir que c'est très 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 chaud. Et une fois qu'on la retire, il faut souffler pour la refroidir et après la confectionner. Et là, toute la graisse qui sort de la tuile vient de se reposer sur mes doigts. Et en gros, voilà, je les sens réellement et ça fait très 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 mal. Oh, oh ouais, purée. Oh, le pauvre. Ça fait vraiment du bien, ça. Oh. Ouais. Mais en fait, j'ai mal pour lui. Ça me fait tellement de peine. Elise, il se brûle, il fait le même truc depuis 5 heures. C'est horrible, quoi. Hop là. Il faut toujours garder le bon sourire et toujours être dans la bonne humeur. Ah bah, celle-ci, elle est bonne. Oh, celle-ci, elle est parfaite. Hein. Là, j'ai un bon coup de main. C'est pas évident au début. On y croit. Hein. Faut toujours avoir espoir dans la vie. Hein. Plus je manipule, plus je réussis mes tuiles. Je forme ces petites boules et boum, on a des belles petites boules de tuiles. Et là, je suis très content. Tu sais plus ou moins combien t'en as? Là, je sais pas, je sais que là, ça va de plus en plus vite. Là. Ouais, ok, cool. Continue comme tu fais cette prêt. Hop, 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 hop. C'est bien. Hey, il fallait juste démarrer, là. Hein. Ben c'est voilà, le coup de main. Il a pris le coup, Elise, là. Regarde, c'est encore derrière. Oh là là. La machine est lancée, là. Allez, bravo. Champion du monde, Elise. Les tuiles, on les a, elles sont belles. Du coup, je le laisse sur les tuiles parce que je sais qu'il va être kéblo là-bas pendant très longtemps. Et moi, je me mets à 100% sur le dessert. Je vais me mettre sur la mousse rapidos. Je vais réaliser une mousse chocolat blanc caramel infusée à la mousse végétale. Ok, est-ce que je peux te prendre un feu rapidos? Merci. Je vais rajouter du lait en pagaille. Chaud, chaud, chaud. La mousse, j'en mets un paquet dans le lait. Et voilà, on va faire infuser ça à fond. Mousse à la mousse. Ensuite, je vais venir passer mon lait dans un linge très très fin pour venir enlever toutes les petites impuretés. J'y ajoute de la crème, des jaunes d'œufs. Et ensuite, je viens verser ce mélange sur mon chocolat blanc caramel. Un peu la mousse. Mais... C'est quoi toi ça? C'est léger, c'est la mousse. On sent la mousse quand même. Ouais, on sent la mousse. Ah, c'est pas mal, c'est bon. Je mets cet appareil en siphon, je mélange et je le fais prendre au frais pendant 2 heures. On va être dans le jus jusqu'à la dernière minute et puis ça va marcher. Ça va être Bagdad, mais ça va marcher. Voilà, on chôme pas, mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Bien, ouais, je ma gueule. Ouais. On va gagner. Louise a très bien géré la situation et bravo à Elise qui n'a rien lâché sur la réalisation des tuiles. J'ai hâte de goûter sa mousse de chocolat à la mousse végétale. Elle a mis toute sa créativité dans ce dessert qui peut encore une fois faire sensation auprès des convives. Terminé ce repas de gala, Arnaud a fait le choix d'un dessert à la pomme et au spéculoos. Allons voir ça de plus près. Alors, est-ce que le dessert a avancé? Le dessert avance très bien. Donc, il nous fait une espèce de tatin spéculoos à la belge. Ouais, avec une pomme confit lentement et avec beurre, sucre. Vraiment pour aller chercher le goût de la tatin. Après, dans l'idéal, on moule pour avoir un beau disque bien propre. Avec une glace au spéculoos, on fait un biscuit spéculoos et apporter un petit peu d'acidité. On va faire un petit gel de pomme granit et un gel de vinaigre de cidre. Ok. C'est très gourmand, mais il faut que tout soit très bon. Ta finition va être super importante. Ouais, et c'est là que tout va se jouer, à mon avis. Donc tu fais comment? Sablé au-dessus ou en dessous? Ça, je vais voir. Est-ce qu'on peut dessiner le dessert? Alors, mon dressage du dessert, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas essayé. On a les éléments. Après, c'est libre cours à la... Ah ouais, on est sur du créatif aujourd'hui. T'improvises? Sérieux? Oh, il me fait peur, Arnaud.
Autant il part sur les saveurs gourmandes et réconfortantes de la tatin, mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est un dîner de finale. Il faut que son dessert donne envie et que son visuel soit gastronomique et très élégant. Il faut que ça soit... Bah alors, tu sais, le classicisme, soit c'est le meilleur, soit c'est le moins bon. Soit c'est le pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. Il faut que ce soit mais laser, il faut que ça donne envie. Hein. Ok, chef. Je suis quand même assez perplexe. C'est vrai qu'on est d'accord avec Glenn pour dire qu'il faut une exécution parfaite et des goûts profonds. Mmh. La question, finalement, c'est de savoir est-ce qu'il va transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Non, mais Arnaud, là, t'es en finale, t'es le maître de la séance, là, tu dois voir tout ce que tu fais. T'as de très bonnes recettes en chemin, là. Il faut juste qu'on se trompe pas jusqu'au bout. Bien sûr, chef. Une journée dans ta vie, là. Une journée. C'est là, il faut pas passer à travers. Chef, oui. Le but de ce dessert, c'est déjà de le sortir. C'est vrai que par rapport au visuel, je me sens pas encore safe. Mais je sais qu'au niveau des goûts, c'est quelque chose de très très bon. Tout le monde aime la pomme tatin. Tout le monde adore ça. Si c'est bien fait. Allez, on y va. Est-ce que Arnaud est chaud ce soir? Le chaud. Sébastien, je mise tout le dessert sur tes épaules. Hein. C'est bon ça. Sébastien, il a la lourde tâche de faire le dessert, mais je l'ai déjà vu exceller sur des épreuves de pâtisserie. Et il a toujours fait des dressages qui étaient hyper laser pour le coup, comme le chef aime. Donc j'ai fort foi en Sébastien. Alors là, je suis en train de réaliser le sablé spéculoos. Du coup, c'est un mélange de beurre, de sucre, de farine, d'épices à spéculoos et d'œufs. Moi, je mettrais un peu plus d'épices. Je veux vraiment que c'est quand même ce goût assez puissant. J'ai pas envie que les gens se disent « Ah ben, sauce spéculoos, sans spéculoos, pas de problème. » Je gère. Ce mélange au robot et ensuite je l'étale entre deux feuilles de papier cuisson et je fais cuire dans un four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. C'est cuit? Oui, c'est cuit. Le biscuit, ça se présente bien. Là, je suis en train de l'emporte-piècer pour avoir des beaux cercles bien uniformes. Le biscuit, il est très très bon. C'est bien sablé, bien croustillant, bien friable en fait, comme on l'aime. J'obtiens des beaux sablés bien ronds, très réguliers et très laser. Ça fait net. C'est même très joli, c'est une belle forme. Je suis assez content. Là, le but, c'est de faire le plus beau visuel, quelque chose de très élégant, tout en finesse. Aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut envoyer 80 desserts au top. C'est une finale de Top Chef, quoi, quand même. Sébastien a bien compris l'enjeu. Il s'applique vraiment pour que ce dessert soit le plus attrayant possible. C'est en bonne voie. Là, c'est pour la cuisson des pommes. On va les caraméliser au four. Elles vont confire tout doucement. On met du sucre, on met du beurre. On balance au four à 130 degrés, ça commence à confire. Ça fait vraiment une peau tout autour. Les pommes, elles sont extra. Elles sont bien confites. Il y a du beurre, il y a du sucre, c'est parfait. Ensuite, une fois légèrement refroidies, je les dispose dans des emporte-pièces, un peu comme une rosace. On y va, on monte les petites rosaces de pommes. Là. On y va. C'est bon. Ça va? Là, je vais mettre le sablé. C'est très beau. Mais on fait comme ça. Ok, mon chat. Comme ça, c'est très beau, c'est propre, mais... On a quelque chose de bien éclair. C'est vraiment un beau visuel. Je sais qu'au dressage, ça va être super top et ça va être facile à envoyer. L'idée, c'est vraiment de reprendre ce sablé spéculoos et le mettre au-dessus comme un couvercle. On va finir en beauté avec ce dessert. Bim! Vive la Belgique, vive le Nord! C'est le Nord en force! Oh non! C'était les cons! La terre, c'était le charbon! Ça, c'est une brigade comme je les aime. Ils n'ont rien lâché, le tout dans la bonne humeur. Je suis vraiment rassuré sur le visuel du dessert qui va mettre en appétit les convives. Arnaud est bien parti pour remporter la victoire. Il ne reste plus que quelques instants avant le début du service. Ce sont nos quatre chefs qui vont juger les menus de nos deux finalistes. Bon appétit. Ainsi que 80 bénévoles de la Croix-Rouge française et sa fidèle ambassadrice, Adriana Carambeu. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Chers volontaires de la Croix-Rouge, soyez les bienvenus à la grande finale de la 13e saison de Top Chef. C'est vous ce soir qui allez désigner le grand gagnant de cette saison. Vous allez déguster deux menus. Le menu A... Le menu B, dégustation totalement à l'aveugle. Et à la fin de la dégustation, individuellement, vous allez choisir votre menu préféré.
Vous le savez, le partenariat entre la Croix-Rouge et Top Chef nous tient particulièrement à cœur. Et on a beaucoup de chance ce soir parce qu'on a l'une de vos ambassadrices, Adriana Carambeuf. Bonsoir Adriana. Bonsoir. On est tellement heureux de vous avoir parmi nous. Tellement plaisir d'être là parmi vous ce soir. Adriana, ça fait 20 ans que vous êtes ambassadrice de la Croix-Rouge. Faites attention, ça ne me rajeunit pas. Non. Bah oui, ça fait 20 ans. Ça ne se voit pas. Merci. Alors Adriana, vous le savez, à la fin de chaque épreuve, les denrées qui ne sont pas utilisées par les candidats sont redistribuées à la Croix-Rouge. Ça fait beaucoup de denrées. Qu'est-ce que la Croix-Rouge en fait ? Ah bah, cette année, par exemple, c'est notre unité locale de Ponta qui a récupéré 5,5 tonnes de nourriture, ce qui est considérable. On a pu aider une centaine de familles qui étaient dans le besoin. Du coup, je remercie énormément M6 et Top Chef pour cela. Bah nous, on vous remercie. On remercie également le groupe Pomona, notre partenaire alimentaire, qui nous fournit toutes les denrées tout au long de la compétition. Merci Adriana. Je vous souhaite bon appétit. C'est très fin. En cuisine, c'est l'effervescence pour Louise et Arnaud. On commence à étaler les assiettes, s'il vous plaît. Ça va le faire, ça va le faire. Les gars, on commence à dresser, on y va. Je me sens un peu stressé, on doit tout envoyer. J'espère que mon menu va plaire au plus grand nombre. Dans quelques minutes, plus de 80 assiettes vont être envoyées en salle. C'est le moment de l'envoi, on est prêt sur l'entrée. Je suis hyper confiante. Ok, super. On est bien, on est bien, on est bien. Pour le dressage de l'entrée, on dispose donc 3 morceaux de céréales. On vient verser un petit peu de sauce ponzu dans le fond de l'assiette qu'on viendra perler avec quelques gouttes d'huile de cèpe et de truffe. Tu me crames tout ça ? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. On vient le brûler au chalumeau. Ensuite, on vient mettre quelques petites tranches de ciboule ciselée. Je viens disposer 3 tranches de daikon sur lesquelles je dispose 3 petites tranches de truffe. Je mets 2 jolies tuiles de riz soufflé. Et on finit par les petites pousses. 3 minutes, les gars. Ouais. C'est le moment d'accélérer, là. Ah oui, là, le sprint, c'est maintenant. Allez, les gars, on lâche pas. Tout le monde est dans une super bonne dynamique. Je sens que tout le monde veut emmener Louise au bout de cette expérience. Je veux dire, nous, on est là pour qu'elle gagne. Donc, on va pas partir sans la victoire, quoi. C'est pas possible. Ah, mais là, on est tous à fond. Ils sont vraiment... ils sont fantastiques. Sans eux, il y a rien, donc... J'ai beaucoup de chance et je suis extrêmement reconnaissante. Ça me fait plaisir, les gars. Merci pour toi. Ben non, merci à toi. Ouais. Arnaud, tu me fais une assiette témoin ? Si tu veux. Alors, le sac parcimonie. 2, 4, 6, 10, vraiment. 6, hein. 7, 8, 9, 10. 3 pommes de terre, 10 moules. Oui, chef. Allez, go, hein, les gars. Arnaud, au moment de l'envoi, je le trouve comme un vrai chef. On commence le dressage, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments quand même dans l'assiette. Il y a plein de petites choses à faire. Mais très vite, Arnaud, il arrive à nous organiser. On travaille à la chaîne. Comme ça, en 10 minutes, les 50 premières, elles peuvent être sorties. Et après, on tabasse sur les autres. C'est le moment de l'envoi, le grand moment est arrivé. Donc là, on commence le marathon. On a 80 assiettes à sortir. Alors pour le dressage, on dépose dans le fond de l'assiette les pommes de terre fumées, les moules. Hop, on ajoute les pickles d'oignons rouges sur le dessus. On dépose une petite salade d'herbe. Je vais aller chercher les premiers voiles. J'arrive. Les voiles, on a mis où ? Ils sont là. Ça marche ou pas, Lilian ? Non. Pourquoi ? C'est trop fragile. Ça va pas assez le froid. Et là, panique totale. Ça se casse en 2 secondes, quoi. Là, ça me saoule. Et peut-être qu'on peut mettre des petits tas. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Soit on fait un truc laser, soit on le met pas. Mais ça fait chier parce qu'on a perdu 2 heures pour rien. Moi, je me dis, ouais, catastrophe. Là, on est mort. Fais voir, je vais essayer. Attends. Fais voir, je vais essayer un truc. Il y a moyen. Allez, attention, chers finalistes. C'est bientôt terminé dans 5 minutes. Ouais ! Allez, go. Tu me laisses faire. Vas-y. Vraiment, je suis stressé et tendu comme un string. Vous me laissez faire. S'il y en a une qui pète, c'est moi qui dois répéter. C'est extrêmement fragile. Il faut vraiment faire ça avec beaucoup de calme et de... Et tout compte fait, en fait, ça marche. Je suis hyper soulagé. On revient de loin. Hein. Carrément fait le Mont Blanc en marche arrière, pieds nus. La finale de Top Chef, c'est comme une épreuve de sport de haut niveau. Je termine le dressage sur le fil du rasoir. Donc je dépose mes chips et pommes de terre. Et pour finir, la marinière. Alors, toutes les entrées sont enfin prêtes. Visuellement, moi, ça me plaît beaucoup. C'est très, très beau. Là. Allez, attention, ça va envoyer. C'est parti dans 3, 2, 1. Top, on envoie les serveurs. Courage.
Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Les gars, c'est équipe jusqu'à la fin. On regarde chaque assiette sur laquelle on est. On vérifie qu'il manque rien du tout. Allez les gars, on y croit, on y croit, allez, on y croit. Allez, on y croit. Je vous le mets en face de vous, c'est comme en face du client, ok? Merci messieurs. Ça roule? Comme ça, beaucoup. Je vous en prie. C'est maintenant l'heure de la dégustation. Les 80 bénévoles de la Croix-Rouge, mais aussi nos 4 chefs, vont pouvoir goûter et juger les menus des 2 finalistes. Au terme de la dégustation, chaque chef et bénévole de la Croix-Rouge disposera de 10 points qu'il pourra répartir comme il le souhaite entre les 2 finalistes. Le candidat qui récoltera le plus de points remportera l'ultime face-à-face de cette compétition. Pour l'heure, chaque candidat finaliste a mandaté un membre de sa brigade pour assister à la dégustation des chefs depuis un écran. Allez. Lucie de la brigade d'Arnaud et Élise de la brigade de Louise vont tout entendre des commentaires des chefs faits sur les entrées. Et on commence tout de suite avec l'entrée d'Arnaud. Cette entrée, je mise vraiment sur, sur la cuisson des moules qui n'est pas commune. Et ce côté populaire, mais bien fait. Et en plus, visuellement, c'est très beau. C'est un joli plat. Épuré, c'est net. Non, franchement, ça donne envie. Il y a de la transparence. Voilà, j'espère que la gelée ne sera pas trop épaisse. Et on peut saluer quand même la difficulté un peu technique d'aller planter comme ça, le transparent, le voile sur chaque assiette. Sans le casser. Sans le casser, c'est pas facile. Excusez-moi, mais c'est joli. Bon. Ouais. Ouais, c'est bien. Vous avez vu bien tard travailler. Donc. Ouais, c'est bien. Dans l'esprit d'une moule frite, il faut l'annoncer pour savoir qu'on est dans l'esprit d'une moule frite. On le voit, ça se dessine au travers de la transparence, en fait, où tu vois simplement tes moules. Et finalement, la frite, c'est peut-être juste ces petites chips qui sont dessus. Oui, oui. Oui, ça va, et mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une très belle esthétique parce que c'est à la fois compact et délicat. Il y a beaucoup d'élégance. Hein. Ça sent bon. Ouais, exactement. Et pourtant, c'est froid. Hein. Ah ouais, il y a de jolis parfums. Moi, je suis hyper contente jusqu'ici. Je trouve que c'est vraiment top. C'est écrit que c'est dans l'esprit d'une moule frite. J'imaginais un truc hyper simple. Et finalement, c'est sophistiqué. C'est magnifique. Et moi, j'ai très, très faim. C'est une belle entrée qui donne envie, qui est colorée, qui a l'air assez vive. On retrouve du vert, du rose, un petit peu de jaune. Il y a un jeu de transparence qui nous permet même de à peine découvrir des produits. Donc, c'est une entrée que j'ai hâte de déguster. Je m'attendais à retrouver un petit peu plus de frites dans l'esprit moule frites, mais on verra, on sera peut-être surpris du résultat. Les moules que j'ai eues pour l'instant sont bien cuites. Hein. Elles sont très bien cuites, les moules. Elles sont moelleuses. Hein. Ouais, elles sont moelleuses. Je pense que je vais leur dire, ils vont être contents. Ils ont recommencé 2 fois la cuisson des moules, peu cher. Je trouve que c'est un plat qui a quand même beaucoup de profondeur de goût. Donc là, il n'est pas allé de main morte. Je trouve qu'on a des choses très marquées. C'est un joli plat, franchement, c'est bien fait. Et la gelée, un petit peu épaisse, mais malgré tout, elle passe bien. Elle est nickel. C'est un joli plat, bien exécuté. Il y a beaucoup d'équilibre. Bah écoute, ça commence plutôt bien. Donc ça va faire plaisir à Arnaud, je pense qu'il va être content. Dans la description, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi travaillé. Et en fait, je retrouve plein de textures différentes. La gelée, au final, c'est ce qui me freinait. Et en fait, ça se marie très bien avec le reste. Donc j'ai un petit peu voyagé. C'est pas les moules frites que je connaissais d'habitude. Mais du coup, pour le coup, c'est une réussite. Pour moi, c'est un sans faute. C'est une entrée hyper bien travaillée. Tout est dans l'équilibre. On a la gelée qui est un petit peu douce, la pomme de terre bien cuite, bien fondante. La moule qui apporte un tout petit peu d'acidité et un peu de mâche. Et les petites tuiles de pomme de terre qui apportent le croustillant à la fin. C'est audacieux pour une finale. J'adore ce plat. Tout m'a plu dedans. Il y avait la sauce que j'adore. J'avais envie de la manger comme une soupe. Et peut-être une seule petite chose. La frite, je ne sais pas où elle est. Mais bon, je pardonne. C'était trop bon. À ton tour maintenant. C'est ça. C'est une entrée très très fraîche, avec de l'acidité, vraiment de l'umami. Et puis, c'est de faire en fait, découvrir un poisson que les Français n'ont pas l'habitude de manger et qui est pourtant très 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 bon. Bon, on est sur un visuel qui est très épuré, hein, qui est très lisible. On est dans la simplicité et tout peut se passer à la dégustation. Oui, on est dans la simplicité, mais on est dans le produit. Hein. Le céréole, la marinée est annoncée, il est là. J'ai presque peur qu'il soit peut-être un peu trop là par rapport au reste. Parce qu'il y a quand même l'idée de la truffe. Et là, pour le coup, j'en aurais peut-être mis un petit peu plus. Non, non. Si on en aurait mis un tout petit peu plus, c'est trop puissant. En tout cas, elle a fait ce qu'elle a annoncé.
Il y a ce côté très léger, tu sens qu'il ne va pas y avoir de gras, tu sens qu'il va y avoir quand même une belle acidité. Alors, l'entrée, déjà, elle est très raffinée, très travaillée. On voit bien les différentes textures avec les petits chips de riz. Donc ça a l'air vraiment délicieux, j'ai hâte de goûter. Ça a l'air excellent. Il y a un petit peu de volume, un petit peu de couleur, c'est parfait. Il y a un aspect graphique qui me plaît bien. C'est très zen, il y a un petit esprit asiatique là qui se dégage. C'est une entrée qui va nous faire voyager, j'ai l'impression. On y va ou quoi? On y va. Louise voulait vraiment la simplicité et la dégustation en fait qui voyage. Là on entend bien croustiller, tu vois. Y a pas un mot, hein? Voilà, c'est ça. Bon, moi j'aime la simplicité comme ça sur des produits exceptionnels. Le ponzu, en fait, j'avais peur de trop de salinité et avec l'ensemble du plat, ça marche très très bien. Alors mon bémol, moi, c'est que bah, la truffe, je la sens pas vraiment, quoi. Si tu mets de la truffe, à un moment, il faut la sentir. Alors il a fallu quand même mettre trois fois plus de truffe. Aïe! Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Encore que quand on tombe sur la truffe, on a de la truffe quand même, oui, ouais. Tout quand même. Hein. Ce que j'aime beaucoup, moi, personnellement, vraiment, c'est la sariole. La texture du poisson est géniale. Franchement, il y a un côté noix de Saint-Jacques. Ouais, le poisson, il est magnifique. Bah, c'est bon, c'est frais, l'assaisonnement est bien maîtrisé, le jus est bon. J'en aurais voulu plus, et même presque plus de chips de riz. Je serais bienvenu encore avec les chips de riz, tu vois. Merci beaucoup. Franchement, c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Et moi, tu me sers un truc comme ça dans un restaurant, je suis content. Que c'est extrêmement précis en termes de goût, de saveur. Le poisson s'associe parfaitement avec le ponzu. C'est juste incroyable. La céréole, il y a beaucoup d'épaisseur, beaucoup de mâche. Et franchement, ouais, je suis agréablement surprise. Ah ouais, c'est une entrée vraiment de très haut niveau avec une fusion asiatique parfaite. Et le meilleur, c'est la sauce dessous, somptueuse. Non, mais tout se marie très très bien ensemble. Le croquant du radis, le croustillant de la chips, tout le moelleux de la céréole, non, je valide cette entrée. C'est une entrée digne d'une finale parce que c'est très fin, les goûts sont très justes, les saveurs asiatiques sont vraiment très bien dosées. Donc c'est vraiment excellent. Une fois de plus, t'as deux univers très différents, les deux sont bonnes. Quelle est la meilleure? Bon, c'était bien, c'est propre. Deux belles entrées. J'ai l'impression que c'était une bonne dégustation pour mon équipe quand même. Ouais. Pour toi aussi, hein, mais. C'était une bonne, ouais, pour nous aussi. Mais... Bah, on va voir. On verra. Allez, viens là. Allez, on y va. Lucie et Élise, qui n'ont entendu que les chefs, peuvent maintenant rejoindre Louise et Arnaud en cuisine et leur faire part des commentaires sur leurs entrées. Alors, ça va, Élise? Ça va, ça va. Dis-moi. Ouais, du positif comme du un peu négatif. Ouais. C'était quand même une très belle dégustation. Je pense que c'était 50-50 sur l'entrée. Ouais, c'est ça. Ok. Franchement, c'est pas trop mal. C'est un peu kiff-kiff. Je me dis, bon, ouf, ça va, je peux encore m'en sortir avec un petit peu de panache. Ça s'est très bien passé, chef. Super, parfait. Il disait que c'était à la fois élégant, la transparence, on voyait bien la moule, c'était très intéressant. Les goûts étaient super bons. C'est super, magnifique. Lucie, elle revient de déguste. Je suis content parce que c'est très positif. Maintenant, dressage du plat. Je vais garder l'agnac, je suis très très près du but, donc je vais rien lâcher. Ok, les gars, on en est où? On est où, détaillage, là? Oh là 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 là. Montre-moi les viandes, montre-moi les viandes. Je me rends compte qu'il me reste genre 15 minutes pour envoyer mes plats, quoi. Mais mes plats qui doivent être déjà dressés. Je suis pas prête. Les gars, faut vraiment qu'on ait des coupes nettes, nettes, nettes. C'est dur d'envoyer 80, c'est hardcore, c'est pas mon truc. Ça me met dans le stress à mort, parce que là, on a la finale de Top Chef, quoi. Je me sens pas hyper bien. Ouais, c'est compliqué. Ok, ça, c'est l'anguille. Pour le dressage de mon plat, on vient déposer une petite cuillère de brunoise d'anguille sur laquelle on va venir déposer trois tranches de veau. Entre ces tranches, on va venir intercaler des feuilles d'huître. Je viens saupoudrer avec quelques petits croûtons et quelques petits capres frits. Et ensuite, on va venir terminer la viande avec des fleurs de bourrache. Sur le côté, je viens disposer quelques petits dés de citron frais. Je viens déposer ma sucrine farcie à l'huître sur le citron. Je dépose une jolie petite quenelle de purée pomme de terre sur le côté et je mets ma sauce perlée à l'huile d'oseille en saucière. Attention, chaud dans le dos, chaud dans le dos, la saucière. Ouais, je vais te mettre celle-là. Attention, chaud. Ok. Plus d'huile. Hein. Tu veux plus perlée, plus que ça? Plus perlée. Non, par contre, elle déchire la sauce. Mais toi, t'as fait un truc. Si j'ai fait un truc dans ma vie, moi, c'est super bon. Allô, les gars, on y va, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour le plat, je décide de travailler au rouleau. Donc, trois équipiers en enfilade.
Tu prends le gastro devant toi. Okay. L'assiette arrive. Tu poses ton élément. Tu la passes à ton collègue qui met son élément. Le dernier termine. Okay. On est à trois envoyés. L'avantage de servir au rouleau, c'est que tu sers vraiment chaud et l'assiette est devant toi. Forcément, tu peux pas oublier de mettre un élément. Et là, tu peux envoyer mais des dizaines et des dizaines. Super facile. Par contre, les gars, là, on se dépêche. Alors, je mets la volaille dans l'assiette avec un petit compressé de légumes, un truc bien, bien propre. On va rajouter le crumble au cèpe. Après ça, on va mettre le condiment herbacé. Et je mets la sauce et coriandre cresse. Et après, la sauce en saucière, c'est ça? Sauce en saucière, oui. OK. Donc là, je fais quelque chose de très simple, mais je sais qu'en goût, ça tabasse. Lucie, tu restes à côté de moi et nous, on va continuer à ça. Toi, tu mets l'épluche. On envoie le plein. C'est tac, 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 militaire. Chacun a sa tâche. Chacun sait ce qu'il fait dans l'assiette, ce qu'il pose. Ça se passe plutôt bien, quoi. Allez, les gars, parfait. Continue, c'est les meilleurs. On tabasse, on envoie. On est fiers, on est contents. Fouchez. Allez, go. Ici, droit. Comme oui, parfait, exactement. J'ai très très envie que ça se termine. J'ai très envie que ce soit réglé, en fait, cette histoire. On n'y est pas encore, là. On n'a pas encore envoyé. Ça va être un marathon. Attends, on va peut-être lever le pied un petit peu, non? Ouais, attendez, les gars, parce que... Là, il y a un moment donné où on est bloqué parce que ça ne sort pas chez Louise. Louise, elle est hyper stressée. Moi, je la connais. Je vois dans sa gestuelle et dans son phrasé qu'elle est un petit peu déstabilisée. Ouais. Je n'ai pas envie de voir Louise comme ça. Là, il n'y a plus de concours. Vous voulez qu'on vienne vous aider ou quoi? Ouais, je veux bien. Bon, franchement, à ce moment-là, je suis dépassée et j'ai juste besoin d'aide. Vraiment? Vas-y, dis-moi. Comme ça, ça avance plus. Tu mets les... Je mets les bourraches? Mets les feuilles d'huître. Les feuilles d'huître, ouais, tu veux? Ouais, t'en mets une là. Attends, bourrache ici. Attends, ouais, bourrache. 5-6, tu mets le poignet. Tu gères là en attendant, ça va? Merci, mon chien. Avec plaisir. T'es vraiment quelqu'un. Quand il fait ça, j'ai juste envie de me mettre à genoux devant lui et lui baiser les pieds, quoi. Je suis trop touchée, en fait, à ce moment-là. Je suis. Waouh. C'est la classe, genre, merci, en fait. Merci, franchement, c'est la classe, mec. Là, le mec, c'est un lord. La cuisine, c'est ça? C'est un mec avec un grand cœur et c'est normal qu'il le fait, ça lui ressemble tout à fait. Voilà. Et donc, je prends sa place sur le pass et avec plaisir. Ça va le faire, ça va le faire. C'est bon. Bah, bien sûr, ça va le faire, les gars, restez cool. C'est vraiment un super beau geste, c'est à son image, quoi. C'est quelqu'un qui est vachement ouvert vers les autres. Franchement, ouais, grand gentleman. Hein. Bon, moi, j'applaudis. Hein. Louise, je te laisse. Tiens, là, il manque 4. Merci. Allez, c'est les derniers plats, là. Allez. On lâche pas, on baisse pas les bras. Hein. D'accord, Louise? On y va, on y va, on y va, on y va. C'est bien, les assiettes, elles sont très jolies, les gars. Ça va déchirer. On y croit, on y croit. Faut jamais baisser les bras. À Top Chef et dans la vie de manière générale, j'ai jamais rien lâché. Faut se battre jusqu'au bout. Et les garçons, ils lâchent rien et ils sont trop mignons. Du coup, on sort le plat, tant bien que mal. Allez, bien, ouais. Ah oui. Allez, on... Ouais. Allez, vieux. Allez. Bande de vieux, va. Moi, je suis content de ce qu'on a fait avec les petites galères qu'il y a eu. Je suis content. Finalement, toutes les assiettes partent. Moi, je les trouve super belles, vraiment très mignonnes. Et je suis super content. J'ai confiance en cette assiette, j'ai confiance en mon équipe. On a donné tout ce qu'on devait. On a fait quelque chose vraiment de collégial. On s'est aidés, on s'est supportés tous. Et rien que pour ça, je suis déjà très heureux. Le temps imparti est écoulé. Louise et Arnaud envoient donc les plats en salle. Ce sont Lilian de la brigade d'Arnaud et Ambroise de la brigade de Louise qui vont cette fois assister à la dégustation des chefs. Les risques de mon plat, c'est ce terme un peu trop osé avec l'anguille, avec le veau et puis de mettre de l'huître en fait, parce que l'huître c'est un produit assez clivant. Et bah, c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, c'est moi. Sur le visuel, hein, beaucoup de lisibilité. J'ai juste un peu peur de la cuisson du veau. On la voit pas trop, mais j'espère que ça va bien se passer. C'est gourmand, c'est généreux, c'est rond. Ouais, chouette. On a un très beau jus qui attire l'œil. Hein. Il y a un côté presque miroir, là. C'est très brillant. C'est ça, très brillant. Une belle texture, belle consistance. Et ça, c'est plutôt sympathique. Évidemment, on aurait pu travailler un peu mieux le taillage du veau, mais ça va. Alors, c'est gourmand, ça donne envie. Et on sent que c'est une assiette qui est sous-tendue par le jus. On sent que c'est vraiment ce principe où le jus va tout amener un petit peu ensemble. Il a l'air très gourmand, ce plat. Franchement, il me donne envie de goûter. Pas du tout. Les fleurs et les feuilles fraîches disposées dessus rajoutent un petit côté assez joli, assez poétique pour moi parce qu'on a quand même de la viande, plus une salade braisée, plus une petite purée. Et ça, ça allège un petit peu le tout. C'est assez épuré, on va dire. Et j'essaye de trouver l'huître. Je ne l'ai pas encore trouvé. Clairement, le terre et mer, on le sent. On retrouve le terre et mer à l'odeur.
J'aime bien la présentation. Le jus au milieu matière, on le sent et on a envie vraiment de le goûter. Oh, le jus! Bon appétit. Le veau, il est super bien cuit. C'est trop bon. L'association des deux. Moi, j'aime bien le mélange de ces saveurs. Le goût iodé, qui vient un peu contraster le goût de la viande. Ce petit goût de fruits de mer, mais qui est très agréable pour moi, ce petit goût salin. Et je mange pas d'huître d'habitude, donc... C'est très surprenant parce qu'il y a énormément de saveurs. On se dit avec chaque élément que ça va être très fort en goût. Et là, c'est juste parfait, en équilibre. C'est vraiment impressionnant. La purée pomme de terre, elle est rassurante par rapport au reste des goûts qui sont quand même très, très tranchés. Une belle découverte. Le fait d'avoir enveloppé l'huître dans la feuille de laitue, c'est une tuerie. Mon perso, je trouve ça vraiment très bien. Très bluffé par ce plat. Franchement, il m'a mis une claque quand je l'ai goûté. Quand on regarde la description, on a l'impression que c'est quelque chose, un plat qui peut être très chichiteux. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout chichiteux, que c'est quelque chose d'extrêmement délicat, très poétique. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est que ça vous fait décoller littéralement au-dessus du Japon et vous partez littéralement dans les étoiles. Regardez les assiettes et vous allez voir, ça a disparu en 2 minutes. C'est très bon. Au moins, il n'y a pas vraiment d'erreur. D'ailleurs, la cuisson du veau est bien. Ah. Et puis ce côté fumé avec l'anguille, là, qui est génial, hein, ça marche très très bien. C'est bon. Franchement, c'est harmonieux. Beau plat. Très beau plat. Voilà, c'est bien, chef. C'est bien. Il a compris. Moi, j'aime beaucoup. La laitue est superbe. L'huître bordail amène vraiment une saveur particulière à la laitue. L'association de l'anguille et de l'huître, tous ces mélanges-là me plaisent beaucoup. Bon, moi, j'ai trouvé le jus sublime. Dans sa couleur et dans sa consistance et dans sa fraîcheur et le petit goût fumé rapporté par les peaux d'anguille à la fin, j'avais peur de ça et en fait, ça marche très, très bien. Et alors, voilà. Voilà, laitue sublime. Son huître avec le beurre d'ail, j'y croyais pas, mais c'est culotté. C'est déterminé, je suis fan. C'est un plat qui est très curieux, dans le bon sens du terme. Il y a presque deux recettes dans une assiette. La laitue avec cette huître, c'est un plat. Ben oui, et de l'autre côté, on a un veau avec cette anguille qui est un plat. Deux recettes distinctes et tu as ce jus qui amène une recette à l'autre. Et là, franchement, bravo. C'est bon. Eh oui, eh oui. Tu as compressé de légumes qui est hyper old school, mais moi je trouve qu'il a totalement sa place à côté de ce morceau de volaille. Je pense que ça peut être un plat qui peut faire gagner des points parce qu'au niveau des goûts et au niveau des textures, c'est quelque chose de très très bon. Donc tu ne peux être que ému et charmé par le goût. Alors, dans l'ensemble, c'est quand même un joli plat, presque un peu symétrique. On pourrait couper l'assiette en deux, voilà. Mais on a une volaille qui est assez jolie, assez étirée, assez élancée, avec la garniture qui est finalement le reflet de la volaille en opposition là. Et c'est assez joli avec ce jus un peu crémé, la petite coriandre. Puis il y a un double jus, quoi, un jus classique et puis un jus crémé. Je salue quand même la performance. Le glaçage est plutôt bien fait. Présentation assez classique quand même, mais plutôt bien exécutée. C'est très classique, hein. De toute façon, vous savez. Arnaud, il a voulu faire quelque chose pour que ça envoie vite. Hein. J'ai vraiment hâte de le goûter parce que je ne sais strictement pas ce qu'est un waterzooi. Normalement, c'est un plat un peu en sauce, servi plutôt en soupe. Et donc là, ça a été un peu revisité. C'est assez carré, c'est assez linéaire. On voit tout de suite tout ce qu'il y a dedans. Donc ça donne envie de découvrir. Déjà, juste comme ça, c'est graphique, c'est très linéaire. Mais après... Hâte d'y goûter. C'est très clair, c'est très net, c'est très structuré, peut-être un peu trop classique. C'est vraiment une assiette gastronomique, on ne retrouve pas au restaurant tous les jours. Voilà, là on est en finale et c'est ce qu'on attend de voir. Franchement, c'est super bon. Ce qu'on ressent vraiment, c'est le vin jaune dans la sauce, il est vraiment excellent. Et vraiment, la viande est cuite, mais genre juste comme il faut. Personnellement, j'ai adoré. La cuisson de la volaille, c'est une pure merveille. Et à fond, quoi. Elle est quasiment, on peut quasiment la couper à la fourchette. Le waterzooi, je ne connaissais pas du tout. Et justement, je suis agréablement surprise. Il y a une petite acidité dans le feuilleté et ce petit croustillant de cèpe qui a du caractère. Visuellement, je n'étais pas convaincu, j'avoue. Mais non, là, je trouve que c'est vraiment génial, en fait. Alors, sur le plat, ce qui me plaît, c'est que je retrouve bien la saveur du waterzooi. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que les légumes manquent un peu de saveur, du coup. La volaille avait une cuisson excellente. La sauce était délicieuse. C'est juste l'accompagnement qui était un peu fade. Mais vraiment, la sauce, au top.
On a une volaille qui est bien cuite, qui est pas sèche. On a une sauce avec du relief quand même, qui est bien gourmande. La coriandre avec la sauce vin jaune, ça se marie super bien. Et ça, c'est la belle surprise du plat. Ah, ça, c'est bien. La garniture, voilà, c'est dommage, c'est un petit peu fade. Il y a un petit peu d'eau. Heureusement qu'il a rajouté finalement ce petit crumble dessus, qui ravigote un peu finalement. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Elle manque de sucre. Elle manque de sucre. Mmh. Alors, moi, je me suis régalé. Et j'en mangerai bien un deuxième. Et c'est comme ça que je juge qu'un plat est très bon. Ah, voilà, ça, c'est mon chef, tu vois. Voilà, vas-y, je t'en apporte un deuxième, j'arrive. C'est vrai, je reconnais un peu ce que tu dis sur le légume. Mais je trouve que la sauce est exceptionnelle avec cette volaille. Cuisson exceptionnelle. Je trouve que c'est assez rare pour être souligné. Franchement, c'est très, très bon. Merci, chef. Je trouve la sauce en effet remarquable. Très classique, mais en effet très bien exécutée. Très bonne, beaucoup de profondeur en effet. La sauce fait tout dans ce plat. Mais oui, la sauce. Ben voilà. La sauce est sublime, ok? Elle amène une puissance au plat extraordinaire. Bien, on s'arrête là. Voilà. Terminé. Extraordinaire. Là, il y a match. Il y a match. Vas-y, dessine. Go! Lilian et Ambroise, qui n'ont entendu que les chefs lors de la dégustation, peuvent désormais rejoindre les cuisines pour informer Louise et Arnaud de leurs commentaires sur les plats. Non, président. Alors, mon chat. Sauce extraordinaire. Ouais. Volaille parfaitement cuite. Ouais. Condiment herbacé qui fait la diff. Ouais. Garniture pas terrible. Il y a du positif, il y a du négatif, mais je balaye vite ça parce qu'il y a d'abord les desserts envoyés. Franchement, on a fait une belle dégustation. Franchement, je vous le dis direct, franchement, c'était carré. Ouais, c'était carré. Belle cuisson, belle sauce, belle garniture. C'est au coude à coude. Franchement, c'est maintenant que ça joue, les gars. C'est le dessert, c'est maintenant que ça joue. Ok, allez, on était déjà à peu près 50-50 à l'entrée, 50-50 sur le plat. Donc là, vraiment, tout va jouer sur le dessert. C'est la dernière assiette dont les gens vont se souvenir. Et du coup, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Pas se louper. On a les glaces ou pas? Les glaces, elles sont où, s'il vous plaît? On a besoin des glaces. C'est pas pris, c'est les qui? C'est pas pris, putain. C'est pas pris. Elles sont pas prises, les glaces. Bah, elles sont liquides, en fait. Et là, c'est un désastre. C'est une catastrophe. T'inquiète, ça va. Rien n'est perdu. Ça va aller, Louise. Je vois de loin, Louise, elle commence à... Ouais, c'est pas agréable, quoi. Tu te donnes tout et tout est fondu. Et donc, j'essaie de la refroidir au maximum avec des bombes de froid partout. Mais vraiment, ça, c'est la méthode. Dernière minute, on fait ce qu'on peut, on cherche des solutions. C'est très froid. Faut déjà les mettre dedans. Je peux rentrer ou pas, là? Attends, bouge pas, je vois rien. Thibaut, il lâche pas, il se met dessus pour trouver une solution pour la glace. Et il trouve la glace carbonique et il gère. Hein? Ça fait une crème glacée, ça fait comme un coulis glacé, d'accord? Ok. Et merci, quoi. Merci. Donc, pour le dressage de mon dessert, je viens déposer un petit peu de crumble dans le fond de mon assiette. 4 petits points de mon caramel de miso. Je dispose quelques petits morceaux de sponge cake à la pistache. Ma boule de glace à et noir miso. Je viens recouvrir avec mon siphon mousse à la mousse. Je viens terminer mon assiette avec une tuile sur le dessus et un petit peu de poudre de champignons juste pour terminer l'assiette. Si on arrive à le dresser comme ça, les gars, c'est cool. T'inquiète, on finit, on est non, bien. Non, mais on finit. On est bien, on finit, on gagne, on n'en parle plus. Il est laser, ce dessert, putain, qu'est-ce que ça fait, là. Oh là là. On y est presque, les gars. Allez, c'est la fin. Hey, tu l'as fait, t'es allé au bout, c'est bien, c'est super. Quand j'envoie la dernière assiette de Top Chef, ce que je ressens, c'est vraiment juste cette gratitude envers ma brigade. Et surtout, je suis très fier du travail qui a été accompli. On l'a fait, quoi. On l'a fait. Bravo. C'est bien, bravo. Allez, tout le monde, c'est les dernières assiettes. On va envoyer les plats premiers, vraiment. Dressage du dessert. Là, on a un regain d'énergie parce qu'on sait que c'est les dernières 80 assiettes qu'on envoie. Et en plus, je sais que comme je pars sur un dessert très classique, il doit être hyper éclair et hyper ciselé. On donne tout ce qui reste. Un dessert, ça clôt un repas. Donc, c'est hyper décisif. Pour le dressage du dessert, je mets la pomme sur le premier sillon. On met le biscuit de gel, de vinaigre de cidre. Et puis, la crème montée au spéculoos. Et en parallèle, ce gel de pomme Granny Smith. Ça va être un petit peu la sauce, en fait, de ce plat. Comme ça. Les gars, je veux rien d'autre. C'est le rush de dernière minute. On peut vraiment dire que c'est les dernières assiettes de Top Chef. Moi, je me rends compte aussi que c'est les dernières assiettes qu'on a envoyées dans Top Chef. Et du coup, c'est un peu émouvant, un petit pincement au cœur. J'espère vraiment de tout mon cœur que Arnaud gagnera cette finale parce qu'il mérite. En fait, j'aurais pas pu rêver mieux comme équipe, je te jure. Merci. Je suis fier d'avoir une équipe comme ça. C'est génial.
leur voie du dessert. C'est la bonne humeur, c'est le partage, la communion entre nous. C'est carrément, on est sur un nuage, c'est nos dernières. Mais je sais qu'en fait, c'est le début d'autre chose. Les gars, venez, on fait un gros hug tous ensemble. Allez. Allez. C'est juste un chapitre qui se ferme. Le livre, il est encore très très long. J'espère faire saga comme Harry Potter. Merci, c'était vraiment... Je sais, mais t'es incroyable. Merci pour tout. Je suis resté comme je suis, ok? Je sais, et c'est... T'es quelqu'un que j'apprécie à mort, donc je t'ai aidé. Et t'aurais fait pareil, j'en suis certain. Ouais. Merci. Merci pour tout. Pour le dessert, les brigades au complet vont pouvoir assister à la dégustation des chefs. Et c'est Arnaud qui, le premier, va découvrir tous les commentaires du jury. Ce qui peut plaire avec ce dessert, c'est la simplicité. Tout le monde aime la pomme tatin. Tout le monde adore ça. C'est la gourmandise par excellence. Je sais que les goûts y passent. Alors, souvenir d'enfance, le plat n'en dit pas beaucoup plus. On est quand même dans quelque chose d'assez classique. Bien sûr. Donc on espère qu'il y a une belle surprise derrière ce petit sablé. Moi, je trouve qu'on a un sablé qui, visuellement, est intéressant. On sent qu'il y a de la matière grasse et que, du coup, il est assez friable. J'ai l'impression qu'on a un beau sablé. Voilà. De mon chef, ça me conforte, voilà. Les deux petits gels, là, qui, quand même, m'interpellent. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont apporter à la pomme. J'ai juste peur un peu de la cuisson des pommes en dessous. Mais on va être, en effet, autour du spéculoos, avec comme une tarte tatin inversée. On va aller chercher de la crème à côté. Voilà, j'espère qu'on va trouver en légèreté. C'est ce que je souhaite. Ouais, mais là, sur le visuel, on est sur quelque chose d'un peu régressif. Très gourmand, très rassurant. Quelque chose de simple, de gourmand, mais de maîtrisé. Je pense que ça va être bon. Ça lui fait plaisir, c'est rassurant. C'est bien, les gars, il faut voir la déguste. Ça, c'est très joli. Moi, je pense que c'est une espèce de tarte tatin. Ça peut évoquer des souvenirs d'enfance. C'est un dessert qui est très, très connu en France. Oui. C'est simple et en même temps, on n'est pas sur une tarte habituelle. Donc, on ne peut pas dire que ce plat est simple. Non, pas du tout. Là-haut, c'est très positif pour le moment. On m'attendait à plus de fantaisie, plus de surprises, comme il a fait pour les plats avant. Mais on va voir le goût, on va goûter ça. Ça a l'air assez classique. Donc, j'attends vraiment que le goût soit vraiment au rendez-vous. On a envie d'y aller et ben, on y va. En fait, il y a ce petit gel là qui est très puissant, qui est très vinaigré. Et le petit sablé est quand même très bon. Ouais. Ah, le sablé est magnifique. Il est très friable. Et très léger. Et très léger. J'aime bien parce qu'il vient crocher dans la molaire comme ça. Et souvent, il y a un peu de fleur de sel qui reste coincée, qui alimente même le reste des bouchées qui suivent, quoi. Bon, les pommes sont bien confites. Je trouve que c'est bien réussi quand même. Non, c'est bon, c'est gourmand, rassurant, une fois de plus. C'est le dessert que tu manges très facilement. Voilà, voilà. Moi, je trouve que cette petite violence du vinaigre, je l'aurais exploité peut-être un peu plus en quantité. Oui. Mais je trouve que ça, c'était intéressant. Belle recette. Ouais, 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 bravo. Voilà, c'est rassurant, c'est simple, c'est cool. Ce dessert, je trouve qu'il tient un peu sa promesse du souvenir d'enfance. C'est quelque chose de réconfortant, qu'on a tous déjà mangé. On sent un peu les émotions, ça me rappelle vraiment mon enfance parce que mes parents me faisaient des tartes tatin étant plus jeune et là, on est vraiment complètement dedans. On retrouve du spéculoos, un petit peu de saveur, pain d'épices, cannelle. C'est très gourmand, c'est très très bon. Et la petite mousse, là, est vraiment super bonne. Ça, je pense que je pourrais en manger beaucoup, mais ouais, elle est très très bonne. C'est légèrement sucré comme il faut, c'est pas trop sucré. Je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est un vrai souvenir d'enfance, effectivement, remis au goût du jour, avec cette petite pointe de vinaigre, etc. Franchement, bravo, une belle réussite. Il y a du vinaigre, il y a une mousse de spéculoos. Le tout ensemble, c'est juste extraordinaire. Je ne m'attendais pas à manger ça, quoi. C'est vraiment du lourd, quoi. Génial. Ce dessert peut plaire parce qu'en fait, il est très gourmand, même s'il est très audacieux et qu'il y a beaucoup d'originalité de choses qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas l'habitude. Je pense qu'à la dégustation, il est très, très bon, en fait. Ben, visuellement, moi, j'aime bien. On a du volume, on est sur présentation un peu moderne. Je suis très intrigué, moi, pour le côté végétal de la mousse et de la salade noire, le miso. C'est intriguant, quoi. Je veux dire, il y a un décalage qui peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas, moi, ça me titille un petit peu. Moi, je trouve que le visuel est raccord avec ce type de dessert. C'est presque une œuvre un petit peu abstraite, on dirait un petit peu un musée d'art moderne de Bilbao. Voilà, c'est moi ça. Bilbao, c'est moi. De prime abord, on pourrait penser que c'est un peu grossier, et finalement, c'est élégant.
Parce qu'en plus, on a cette mousse qui est brillante, là. Elle est gourmande, elle est rassurante. T'as envie d'aller taper dedans parce qu'elle t'appelle à la gourmandise, quoi. Il est sympa, ton dessert, Louis. Merci. Ouais, visuellement, c'est très beau. Cet effet de volume, c'est très sympa. C'est plutôt très original et ça donne envie. J'aime à la fois le travail sur la tuile qui a été effectuée, également l'aspect un peu sous bois, on va dire, avec la mousse. Je suis également intrigué par la glace à l'ail. C'est quelque chose que j'ai jamais goûté, donc pourquoi pas. Visuellement, surprenant. C'est... Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est intriguant. On se demande ce qui se passe en dessous. Ça engage la curiosité. On a envie de goûter. Ça croustille. Ouais. J'aime bien quand on mange et qu'on entend qu'il y a des bruits, il se passe quelque chose. Moi, je trouve le dessert super intéressant parce qu'il est très osé. Elle aurait dû aller même encore plus loin dans le côté assumé de la mousse végétale, qui est vachement intéressante avec la mousse au chocolat caramel. C'est un dessert quand même qui est assez déstabilisant. Bah, moi, je salue la performance de faire quelque chose qui est pour moi très gourmand, avec de l'ail noir, avec du miso, des choses qu'on ne va pas chercher naturellement pour faire un dessert. Et vraiment, je me régale. Ça, c'est ma chef, ça. On est tous d'accord avec alors, ça. On est d'accord. Ah, franchement, c'est un beau dessert. Ah, c'est un très, très joli dessert. Voilà. C'est un beau dessert, mais qui a encore dessert. Plus de potentiel. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Franchement, c'est excellent. Je pensais que c'était une glace. En fin de compte, c'est pas une glace. Hein. C'est ça. T'as la surprise qui est dedans. C'est excellent. J'adore. C'est vraiment extraordinaire en termes de saveur, le sarrasin, le miso, l'ail noir, c'était vraiment excellent. J'ai pas forcément les papilles assez averties pour en mesurer toute l'audace et la réussite. Je conçois qu'il y ait un travail et une prise de risque énorme, mais ça me parle nettement moins. J'étais un petit peu hésitante au départ parce que je me dis pas forcément j'ai envie de finir mon repas sur une note d'ail. Et finalement, à la dégustation, c'est vraiment incroyable. C'est une association qu'on n'attend pas, un côté salé, sucré qui est bien équilibré. Et on sent en fait que c'est un dessert. J'ai trouvé le dessert vraiment très bon. J'ai jamais goûté une mousse de cette qualité-là. Après, la tuile aurait mérité d'être un petit peu moins présente pour laisser toute sa place à la mousse. Moi, je pense le contraire. Ah. Parce que la tuile, j'ai adoré. Oui. Et la mousse, j'ai trouvé bon au goût, mais un tout petit peu peut-être trop liquide. Mais sinon, c'était très bon. Je me suis régalée. D'ailleurs, j'ai presque tout fini. Je suis très surprise par ce dessert. Je trouve qu'il y a un beau travail et une belle prise de risque. C'est un dessert super audacieux pour une finale. Il n'y a rien d'évident ni pour l'un ni pour l'autre. Parce qu'on est vraiment dans un cas de figure où les deux propositions sont diamétralement opposées. Et les deux sont bien faites. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis super contente de cette finale. Et moi, je suis très contente de leur travail, et en particulier de celui de Louise. Ah, elle le fait le coup, mais chaque année, quoi. La dégustation est terminée. C'est l'heure pour les 80 bénévoles et pour les chefs de faire leur choix. Chaque dégustant dispose de 10 points qu'il peut répartir entre le menu A d'Arnaud et le menu B de Louise. Ils peuvent choisir par exemple de donner 6 points à l'un et 4 points à l'autre s'ils estiment que le verdict est serré. Ou encore 8 points à l'un et 2 points à l'autre s'ils pensent au contraire que l'un des finalistes était nettement au-dessus de l'autre. Le candidat qui récoltera le plus de points remportera l'ultime face-à-face de cette grande finale. Alors, qui de Louise ou Arnaud a réalisé le meilleur menu? Qui sera sacré Top Chef 2022? Avant de connaître le verdict des 80 bénévoles, Louise et Arnaud vont découvrir à présent la répartition des points faite par les chefs. Nous allons découvrir le vote des chefs. Mais auparavant, Louise, Arnaud, je vous sens marqué par l'effort. Elle était belle cette finale, non Louise? C'était très difficile, plus que je n'imaginais. Déjà parce que j'ai pas l'habitude de faire du banquet et d'envoyer 85 couverts. Donc avec ma naïveté, j'ai fait quelque chose qui était peut-être pas complètement adapté. Je suis quand même très fière du menu qu'on a envoyé. Mais soulagée que ce soit terminé. Et puis Arnaud a filé un coup de main à un moment. Ça m'a touchée incroyablement. Et ça montre l'humilité et la grande personne qu'il est. T'es une légende. Pareil. Alors justement Arnaud, comment vous avez senti votre finale? C'était génial, je pense que ça clôt le chapitre Top Chef qui restera un des plus beaux chapitres de ma vie, de par les rencontres, de par vous, par eux, par tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre aussi. Et à l'arrivée, content? Je suis très content. Alors vous savez, on va découvrir le vote des chefs. Les chefs ont été attentifs, ils ont dégusté avec la bienveillance mais aussi l'exigence qui sied à leur rôle. Hélène, je vais vous laisser dévoiler votre vote et ensuite vous le déposerez dans l'urne, bien sûr. C'est un vote qui va peut-être paraître sévère. 7 pour Louise et 3 pour Arnaud, et je m'explique.
Arnaud, c'est pas du tout que je n'ai pas aimé ton menu. Je voulais vraiment montrer combien je suis fan de Louise et de sa cuisine et de ce qu'elle a fait ce soir, mais qui était pour moi représentatif de toute la saison de Top Chef. Voilà, Louise, tu as un engagement dans la prise de risque, dans ce que tu crois, dans ce que tu défends, dans ton univers. Et voilà, je suis une grande fan, tu m'as beaucoup apporté, je te l'ai déjà dit, j'ai beaucoup appris de toi. Tu as une audace que parfois il me manque et je voulais témoigner ce fanatisme. Voilà. C'est beaucoup trop. Je suis extrêmement touchée. J'ai malheureusement pas l'impression de le mériter presque, mais j'ai pas de mots. Je suis juste extrêmement touchée. Merci. Mais tant mieux. Merci, chef. Merci. Philippe ? Alors moi aussi, bon, j'ai mis une note, forcément, que je vais dévoiler. J'ai mis 4 à Arnaud et 6 à Louise. Alors, ça aurait pu être inversé aussi. Mais Arnaud, je vais dire un truc. Quand on s'attaque à de la cuisine classique, c'est extrêmement pointu. Et ça peut passer devant tout. Il n'y a pas de créativité sans les fondamentaux. Tu les as, les fondamentaux. D'accord ? Mais dans le registre que tu nous as proposé ce soir, il fallait que tu ailles un petit peu plus loin. En tout cas, franchement, c'était super. Et toi, Louise, ce soir, tu nous as fait du Louise. Tout simplement, et c'était génial. Moi, je me suis régalé. J'adore aussi cette cuisine qui révèle des associations un peu osées, comme ça. Voilà, ce soir, ton menu m'a plu. En tout cas, je vous félicite tous les deux. On a eu une très belle finale. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, chef. Je vais laisser à Philippe Etchebest le soin de laisser son vote dans l'urne. Paul Perret. À Louise et 4 à Arnaud. J'ai voulu être très fair-play par rapport à ce qu'on a vu. Tu as eu quand même une audace maîtrisée, intelligente dans le sens où il y avait ce qu'il fallait d'audace, mais il y avait ce qu'il fallait de aussi je peux plaire. Voilà. Alors franchement, on s'est régalé. On a apprécié tous les plats et la sauce, magnifique. Je voulais un autre poulet. Hein. Ils m'ont pas amené parce qu'ils pensent que je plaisante, mais je voulais un autre poulet avec la sauce. Pour l'instant, donc, ça fait 7 points d'avance, mais on a hâte de connaître le vote de Glenville. Moi, je vais faire comme Paul. Je vais d'abord ouvrir mon carton et me justifier. 6-4 pour Louise. Ouais. J'aurais préféré, évidemment, que Arnaud soit devant. Sur le dessert, il manquait un peu de finalité. C'était un peu moins réussi. C'était bon, quand même. Mais en fait, Louise, elle n'a pas failli, elle n'a pas trébuché, elle est restée droite. Je voulais aussi être en adéquation avec ce que j'ai ressenti. Ça n'enlève pas tout le travail qu'Arnaud a fait, je suis très fier de lui. Franchement, respect, parce que l'évolution, elle est quand même cool, tu vois. Et moi, j'ai appris beaucoup aussi avec toi. Dingue, j'ai les 4 votes du jury en ma faveur. Je suis hyper touchée, mais en fait, pour moi, c'est irréel, quoi. C'est un doux rêve, en fait. Maintenant, bah, il reste plus qu'à attendre pour tirer le couteau. C'est Louise qui remporte le vote des chefs. Mais il y a encore 80 dégustants qui doivent voter, donc il y a encore 800 points à prendre. Rien n'est encore joué, donc je garde espoir. Le suspense reste entier. Bien malin celui qui pourrait dire ce que les volontaires de la Croix-Rouge ont choisi. Est-ce qu'ils ont décidé de couronner Louise ? Est-ce qu'ils ont décidé de couronner Arnaud ? Une égalité parfaite. On ne sait jamais. En tous les cas, bravo et merci Louise et Arnaud pour cette merveilleuse finale, tout en émotion et en sourire. Merci à tous les 4. Merci à tous les deux. Et puis, on verra bien le verdict. Hein. Bravo, les finalistes. Cela fait maintenant quelques semaines que la finale de Top Chef, opposant Louise à Arnaud, s'est déroulée ici, à l'hôtel Georges V, le palace le plus étoilé d'Europe. Pour l'instant, candidats et chefs ignorent tout du résultat des votes. Et c'est ensemble qu'ils vont découvrir cet ultime verdict. Dans la pièce, de toute façon, je suis déjà au bout de ma vie. Mais en plus de voir mes proches à côté d'Hélène Darroze et des candidats de Top Chef, quoi. C'est une espèce de... En fait, voilà, ça a été les 3 socles de mon concours. En fait, je leur dois tous tellement, tellement difficile de pas craquer là maintenant tout de suite, quoi. Première et dernière fois, hein, ça. Donc, il y a Thierry Alda, mes parents. Alexis, mon frère, et Charlie, ma sœur.
Il y a Marco, mon compagnon, et tous mes camarades de Top Chef. Aujourd'hui, c'est le terme de l'aventure. Quel que soit le résultat, ton parcours, il aura été juste exceptionnel. Plus que de la cuisinière exceptionnelle, je le savais déjà, ce qui me rend le plus fier, c'est de la femme que tu es. T'es une vraie patronne et t'es capable de diriger une équipe, que ce soit des hommes ou des femmes. Et si ce que tu as montré, ça pouvait en inspirer quelques-unes et puis en faire réfléchir et changer quelques-uns, ça serait magnifique. Tu as toute mon admiration. Merci. Le discours de la part de mon père m'a impressionné de ouf. Ça me fait trop plaisir parce que mes parents, c'est eux déjà qui m'ont transmis le goût de la cuisine, qui m'ont transmis ces valeurs de partage, de s'asseoir tous autour d'une table, de bien manger, le goût des bons produits. Je vois tellement de fierté dans leurs yeux et tellement d'amour et tellement de... En fait, j'ai envie que le rêve continue pour eux. Là, voilà, il y a un couteau et peut-être que dans quelques moments, on va vivre quelque chose qui pourrait être historique, quoi. Historique parce que, ben, pour moi, ça me ferait ma 3e étoile à Top Chef. Et puis, historique parce que, ben, ça fait 10 ans, quoi, qu'une femme n'a pas gagné. 10 ans. Donc, ce serait juste quelque chose dans l'histoire de Top Chef qui serait magique. D'abord magique pour toi, parce que tu le mérites. Tu as une technique, tu as des compétences, tu as un talent qui est juste incroyable. Voilà, c'est vrai que les étoiles, pour moi, tu y es. Et ça va vite arriver sur le papier, je ne peux pas croire le contraire. Et si tous les prochains Top Chef pouvaient être une image, ce serait génial. Voilà. Je vais vous remercier encore une millième fois pour avoir cru en moi et pour m'avoir été ce soutien moral qui m'a prouvé que je pouvais y arriver et que j'avais ma place. J'ai envie de la remplir aujourd'hui, de lui apporter une 3e victoire. Et en plus, que ce soit deux femmes qui aillent au bout de ce concours, ce serait un beau symbole aussi, je pense. Quand j'arrive devant mes proches et devant le chef Glenville, je suis hyper ému parce que c'est tous les gens que j'aime dans la même pièce, ce qui arrive que très rarement. Ils sont là pour me supporter et je suis heureux qu'ils croient en moi. Ça pousse sur les murs, t'as vu ? Je ne vais pas citer tout le monde, je suis désolé. J'ai Albert et Karine, mes amis, et qui sont devenus mes associés pour mon restaurant. Mon équipe de cuisine qui est là. J'ai Thierry Marais qui est venu au proche. Et bien, 4 équipiers de la finale, Lucie, Michael, Sébastien et Lilian. Bon ben voilà, te voilà au final. Je parle un petit peu pour tout le monde. On est tous très 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 fiers de toi. Je pense qu'après le parcours que tu as eu, il y a quelqu'un qui te regarde au-dessus, qui est super fier. Et je pense que tu as su apprendre avec quelqu'un d'extraordinaire qui est à ta gauche, qui t'a appris à mûrir aussi. Et tu as gravi vraiment ces échelons avec beaucoup de perfection. Et la preuve, elle est devant toi. Donc, on te félicite tous. Bravo, Arnaud. Thierry, qui est mon meilleur ami, qui est comme un papa. Hein. Il a l'âge de mon père. Et quand il prend parole, oui, c'est hyper émouvant parce qu'il parle de ma mère. Donc, et que lui prenne la parole en premier, c'est hyper prenant pour moi. Et ça prouve l'importance qu'il a dans ma vie et que j'ai dans la sienne. Je suis très fier d'être à tes côtés. On s'est trouvé. Je crois qu'on a fait un beau duo. Bam. T'as fait preuve de persévérance. T'as cru, je crois, un moment en toi, je dirais. Et ça t'a ouvert une porte, une brèche. Et tu t'y es engouffré. Et puis, je crois que t'as trouvé ta place et que t'as montré à tout le monde que si t'es là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et puis voilà, on est là. L'histoire est belle. On l'a écrit ensemble. Et pour moi, c'est une première aussi. Donc de toute façon, ça sera toujours là et là. Et donc voilà, on est unis pour la vie, je dirais. Voilà. Moi, je pense que si on a vécu tout ça ensemble, c'est que c'était déjà écrit. Et effectivement, peut-être que de là-haut, ta maman te regarde. Difficile parce que je pense un peu à la mienne en même temps, donc forcément... Le discours de mon chef Glenville, c'est prenant parce qu'on a un départ de vie plus ou moins similaire. Et moi, ça m'émeut aussi de voir quelqu'un avec cette stature s'ouvrir aussi facilement. Et c'est pas juste un chef de cuisine qui est venu montrer sa tête à la télé, c'est quelqu'un de très humain. Moi, je veux d'abord vous remercier, vous. Parce que...
C'est compliqué, hein. On s'aperçoit pas, mais on crée beaucoup de liens parce que c'est très concentré, c'est plein d'énergie, hein. C'est vrai, c'est ça prend au cœur, quoi, vraiment. Je suis ému, c'est normal. Glenn Vielle, c'est le chef qui m'a porté au plus haut. Il a cru en moi, il m'a poussé en me disant des choses, des fois pas super sympathiques non plus, et il m'a permis de croire en moi. Et il a fait l'homme que je suis en train de devenir, au plus profond de moi. Merci. Je n'ai pas encore 100% confiance, mais il m'avait aidé beaucoup, mais comme mes amis qui sont là aujourd'hui. Donc, merci à tous. Merci, chef. Avec plaisir. Vraiment. Merci à toi. L'heure du grand verdict de Top Chef saison 13 est arrivée. Un huissier de justice a procédé dans le plus grand secret au dépouillement des bulletins de vote. Il a comptabilisé les points attribués à chaque menu par les 80 convives et les 4 chefs. Puis il a scellé deux couteaux. Un à lame orange pour le perdant et un à lame acier pour le grand vainqueur du concours. Je t'invite à aller derrière le couteau. Alors, quel menu a remporté le plus grand nombre de points? Qui de Louise ou d'Arnaud sera sacré Top Chef 2022? Avant de le savoir, les candidats vont découvrir les pourcentages des votes pour chaque menu sans savoir à qui ils ont été attribués. 56,19 et 43,81. Donc c'est quand même un gros écart. C'est quand même un gros écart. Je me dis que, ok, si on se fie au vote des chefs et que, disons qu'ils font la météo et que c'est la tendance, bon bah, ok. Mais ça veut pas dire que les jeux sont faits. Parce que la cuisine, c'est subjectif, c'est comme l'art. Donc, sur un panel de gens un peu plus lambda, est-ce que c'est ce qui va faire l'unanimité? 56-19, 43-81. On verra bien, on attend avec impatience le dénouement. T'as les mains mouettes un peu ou pas? Ouais. J'imagine que rien n'est joué. Le vote des chefs, c'est 4 personnes sur des dizaines de personnes qui votent aussi. Donc on verra bien. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Plus qu'un, hein. Louise, je t'invite maintenant à mettre la main sur le couteau. Là, je me dis, waouh, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour. Je commence à trembler, j'ai l'impression que mon cœur va lâcher. Parce que possiblement, là, tu gagnes ou tu perds ta vie et tu vas le savoir là maintenant tout de suite. Vraiment, je t'invite à mettre la main sur le couteau. Je suis très tendu parce que je réalise où je suis et mon parcours. Et là, aujourd'hui, il reste un couteau, donc ce serait vraiment dommage de prendre le moins beau des deux. Si la lame est acier, c'est gagné. Si elle est orange, c'est perdu. Louise, c'est quand tu veux. Arnaud, tu peux lever la lame. Si la lame est acier, c'est gagné. Si elle est orange, c'est perdu. Louise, c'est quand tu veux. Arnaud, tu peux lever la lame. Jette dans les bras des candidats d'abord parce que putain, c'est notre victoire, quoi. Vraiment, c'est notre victoire à nous tous. Et je suis tellement fier de pouvoir leur amener. Oui. Ils se sont tellement démenés pour moi. Il fallait que je leur rende d'une manière ou d'une autre, quoi. Et je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse parce qu'il n'y a que de la bienveillance. Dans cette salle, il n'y a que de la magie, il n'y a que de l'amour. En fait, je crois que ce qui me rend encore plus heureuse, c'est de les voir heureux. Ah, je suis tellement heureuse pour toi. Tu peux t'imaginer, tu mérites tellement. C'est presque 10 ans qu'une femme n'a pas gagné Top Chef. Et en plus, bah là, aujourd'hui, il y a 2 gagnantes, quoi. Et c'est une sacrée fierté. Ah oui, et du coup Ah oui, du coup. Du coup, je vais... En tatouage? Eh bah oui. Si. La chef Linda Rose, elle a dit que si on gagnait cette année, elle se ferait tatouer ses 3 petites étoiles. Ce serait rigolo parce que Hélène Rose n'est pas tatouée. Donc je vais tenir ma promesse, je vous promets.
Quand je vois la lame orange, ben, la première pensée, elle va à mes quatre collègues qui ont cru en moi. Parce que comme je leur ai dit, à la fin de l'épreuve, si on gagne, on gagne grâce à nous. Mais si on perd, c'est que j'ai mal fait mon travail. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est beau d'être là ou pas? Même si je passe par toutes les émotions, parce que c'est des montagnes russes, hein. Je suis hyper fier d'être en finale. Surtout qu'en Belgique, c'est jamais arrivé. Donc je serais un gros débile, pour le dire platement, de ne pas me réjouir d'avoir participé au concours et de ne pas être heureux, parce que Top Chef, ça a clairement changé ma vie. J'ai déjà tout gagné, je pense. Fidèle jusqu'au bout, ouais, sa couleur. Il n'y a pas moyen de changer de couleur. C'était pour ça, bien sûr, évidemment. L'orange, c'est bien. Ça me va bien. Donc... Je suis très, 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 très content pour Louise d'avoir réussi. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'elle le mérite. Vraiment. Alors, oui, quand même, passons aux choses un peu plus sérieuses. Hein, l'euro million. Sérieuse. Voilà, quoi. Hein. Voilà. Hein. Elle est où, la guenille? Pour moi, de remporter le titre de Top Chef, ça montre à quel point la vie peut être magique. Pourquoi? Que tout est possible. Il faut juste être vrai, indulgent envers soi-même, indulgent envers les autres. Et surtout, 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 ne pas oublier pourquoi on fait ça. Ne pas oublier pourquoi on cuisine. La cuisine, c'est du partage, c'est du plaisir. C'est ça à la base, et pour moi, c'est ça que ça doit rester. Perfection.